marching to Zion. Come with us, love of the Lord, whomever you are. Join in a song with sweet accord. Join in a song with sweet accord. And that's a song. Oh, we marching.
Je crois qu'il y a une cité merveilleuse. Aucune cité sur cette terre ne peut être comparée à cela. C'est cette cité pour laquelle nous faisons nos préparations. Inclinons la tête. Mais Carlos, Precious Heavenly Father, we are here to worship you. We want to thank you for the gift of the life. Nous voulons te remercier pour le don de la vie, la bonne santé. For keep us safe, Lord. Pour nous avoir gardé en sécurité. That's why we want to be here, and we want to ask you to guide this service. Nous voulons te demander de guider ce service. Bless our pastor. Bénis notre pasteur. Please. Prepare our heart to receive your word. De recevoir ta parole. That's why we commend this service and ask you to lead us in the name of Jesus Christ. Dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse tous. Vous pouvez vous asseoir. La sœur Rachel est ici. Yes. Nous allons commencer avec la consécration du bébé. Si elle peut avancer, quelqu'un peut la signaler. Nous ne baptisons pas des bébés. Comme cela a été fait dans les Écritures, nous prions seulement sur eux. Comme ils viennent dans ce monde de défis. So we are going to take the book of Mark, Mark chapter 10. Nous allons prendre le livre de Marc chapitre 10. Mark chapter 10. Mark chapitre 10. Going to verse 13. Allons au verset 13. Yeah, you can stand there in just a second. We want to read the scripture. Mark chapter 10. Mark chapitre 10. Reading from verse 13. Nous allons commencer à partir du verset 13. And they brought young children to him that he should touch them, and his disciples rebuked those that brought them. Et on lui apporta des petits enfants afin qu'il les touchât, et les disciples reprenaient ceux qui les apportaient. But Jesus saw it. He was much displeased and said unto them, Suffer the little children to come unto me, and forbid them not, for of such is the kingdom of God. Et Jésus, voyant cela, en fut indigné et leur dit, Laissez venir à moi les petits enfants, ne les empêchez pas, car d'à tel est le royaume de Dieu. Verily, I say unto you, Whosoever shall not receive the kingdom of God as
a little child, he shall not enter therein. En vérité, je vous dis, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. And he took them up in his arms, put his hands upon them and blessed them. Et les ayant pris entre ses bras, il posa les mains sur eux et les bénit. Every time we read this scripture, chaque fois que nous lisons cette écriture, it's a big message for us grown up. C'est un grand message pour nous les adultes. Jesus was much displeased. Jésus était inquiet. When the disciples tried to reject the little ones. Quand les disciples essayaient de reprendre les petits. And we have to pay also attention in the way we treat the little ones. Nous devons faire attention de la manière dont nous traitons les petits enfants. And also he said that the kingdom of God, et aussi il a dit le royaume des cieux, is for those who are like a little child. Est semblable à ceux qui sont comme des enfants. So we cannot baptize little babies. Cependant, nous ne pouvons pas baptiser les petits enfants. Because baptism requires conscience and repentance. Parce que le baptême demande la conscience et la repentance. Baby, we just pray for them. Les bébés, nous prions seulement pour eux. Let us bow our head, please. Inclinons la tête. Precious Heavenly Father. Précieux Père Céleste. What a wonderful message you are giving to us. Quel message merveilleux que tu nous donnes. As we hold these little babies in our hands. Pendant que nous portons ces petits enfants dans ton main. Let us be humble like them. Aide-nous à être humbles comme eux. As we dedicate this little baby. Comme nous les consacrons. Ce petit enfant, Elion Miandabu Chimanga, Elion Miandabu Chimanga, into your kingdom, entre dans ton royaume. Protect this little baby, Lord, protect ce petit enfant, against all the winds of sicknesses and spirits, contre tous les vents des maladies et des démons, and bless the parents, et bénis les parents, to help this baby grow in the faith. D'aider ces petits enfants à grandir dans la foi. In admonition of your word. Dans l'abandon de ta parole. We commit and dedicate her unto you. Nous abandonnons et les recommandons en toi. In the mighty name of the Lord Jesus Christ. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. It's a very painful to be a mother. C'est vraiment douloureux d'être une mère. With a baby like this. Avec un enfant comme celui-ci. We all have done this to our mothers. Nous avons fait tout ceci à nos mamans. My mom is laughing. Ma maman sourit. The stuff I have done to her. Les choses que je lui ai faites. But brother, you know, sometimes it's just an experience. Frère, vous savez, parfois c'est juste une expérience. The first baby you deliver. Le premier bébé que vous avez amené sur la terre. Mother, no experience. Une mère sans expérience. And my problem as a baby, I was crying. Mon problème comme bébé, j'ai pleuré. I was not eating enough. Je ne mangeais pas assez. And probably young mother like sister Rachel. Parfois des jeunes mamans comme la sœur Rachel. They may need coaching from old experienced mothers. Elles ont peut-être besoin de l'entraînement à partir de mamans qui sont un peu plus âgées. And you just give them milk. Vous leur donnez un peu de lait. Maybe they are not satisfied enough. Peut-être qu'ils ne sont pas assez satisfaits. This is what they will do. C'est ce qu'ils vont faire. And until my grandma came from somewhere to help my mom. Jusqu'à ce que ma grand-mère est venue de quelque part pour aider ma maman. No, the baby is not getting enough.
Elle a dit non, le bébé ne prend pas assez. Take some those palm oil, put on the body, etc. And then I slept quiet. Prenez l'huile de palme, mettez sur le corps, appliquez sur le corps. Et là, je suis resté tranquille. But the problem, I could not tell her. Mais le problème, c'est que je ne pouvais pas parler. The same thing with Julia and my wife. La même chose avec ma femme et Julia. She was crying so crazy. L'enfant pleurait tout le temps. And they used to call them because they used all the time to be together. Et on était obligé de l'appeler parce qu'ils étaient tous ensemble. Mobutu and Mpere. Mobutu and Mpere. You cannot separate them. Vous pouvez pas les séparer. And when I see what is happening with our young girls, quand je vois ce qui arrive avec nos jeunes mamans ici, they need a lot of help as well. Elles ont vraiment besoin de beaucoup de l'aide. Amen. So, the 24th, le 24 of this month will be Wednesday night service. De ce mois, ce sera le service de mercredi. That will be the night before Thanksgiving. Ça sera la veille du Thanksgiving. And we want also to take time to praise the Lord. Je voulais aussi qu'on prenne le temps pour louer Dieu. For everything that He has done for us. Pour tout ce qu'il a fait pour nous. We went through a long way. Nous sommes passés par beaucoup. The coronavirus and all these things. Le coronavirus avec toutes ces choses. But God has done many things that we cannot even see and express. Dieu a fait beaucoup que nous pouvons même pas voir et exprimer. And that Thanksgiving Day. Et le jour de Thanksgiving. Brother Branham call it the real American holiday. Frère Branham l'appelle le véritable journée de férié pour les Américains. So if you want to prepare a special song, a praise, a testimony. Si vous voulez préparer une chanson spéciale, un témoignage. Please let know Brother Patrick. Faites-le connaître à Frère Patrick. He will accumulate all the songs and then we will be praising the Lord. Il va rassembler toutes les chansons et nous allons adorer Dieu. And the next day, which is the 25th, the Thursday. Et le jour qui vient après, ça sera le 25. We are going to have a fellowship all together. Nous allons avoir une communion tous ensemble. That's the holy day we want to spend together as a family in Christ. Et c'est un jour férié que nous voulons passer ensemble comme une famille en Christ. Because the 25th of December, we want it to be each family at their own. Parce que le 25 décembre, nous voulons que ce soit des familles respectivement chez eux. And the 1st of January, usually we have a group fellowship. Le 1er janvier, d'habitude, nous avons le groupe, une communion en groupe. But this coming 1st of January, we will not have the group fellowship. Mais c'est 1er janvier, nous n'aurons pas une communion de groupe. For the reason that you know. Pour les raisons que vous connaissez. How many knows? Combien connaissent? Okay. If you don't know yet, you are going to find out. Si vous ne connaissez pas, vous allez en découvrir. So, because we cannot have a fellowship December 25th and January 1st. Comme nous ne pouvons pas avoir la communion le 25 décembre et le 1er janvier. So, we have an option will be Thanksgiving on Thursday the 25th downstairs here. Nous avons qu'une seule option le pour le Thanksgiving le 25 novembre. Different if you can make your usually organization to bring the turkey and all this stuff. Si vous voulez avoir votre propre organisation, amener cette turkey. Yeah, and we are very very thankful for what the Lord is doing for each one of us. Nous sommes très reconnaissants de ce que Dieu fait avec chacun de nous. For everything.
pour toutes choses. Personally, I'm thankful for each one of you for the things that you are doing. Personnellement, je suis reconnaissant à chacun d'entre vous pour les choses que vous faites. This year, I've received so many gifts from you. Cette année, j'ai reçu beaucoup de dons de vous. Shirt, ties, suit, shoes. Des chemises, de cravates, de chaussures, des vestes. I think even more than probably 5 suits. Peut-être plus de 5 costumes. Even the one I'm wearing this morning. Même ce que je porte ce matin. It was Sister Ruth's dad who sent it to me. C'est le père de la sœur Ruth qui me l'a envoyé. And we have to be very, very grateful for everything. Nous devons vraiment être reconnaissants en toutes choses. Not that we deserve it. Ce n'est pas parce que nous les méritons. But it's the grace of God. Mais c'est simplement la grâce de Dieu. And that's why we need to enforce and encourage among us. C'est pourquoi nous voulons renforcer et encourager parmi nous. The day you will be laying in the casket. Le jour où nous serons étendus dans un cercueil, you cannot do anything. Vous n'allez rien faire. If there is a time, is now. S'il y a vraiment un temps, c'est maintenant. And if I could have received feedback from the couple, I was planning to have a special Thanksgiving service for the couple. Si j'avais reçu le feedback du couple, j'ai prévoyé d'avoir une communion spéciale juste pour le couple. But as we say, you know yourself. Comme on l'a dit, you know yourself. But even if we are not gonna have that meeting because of the time, à cause du temps, si peut-être nous n'aurons pas ces réunions, I will ask every couple. Je demanderai à tous les couples to have an appreciation day. Pour avoir une journée d'appréciation of between husband and wife. Entre l'homme et la femme. Just you know, very often we always find mistakes here, mistake there. You did not cook on time. You did not do this. Vous savez, généralement, nous trouvons des erreurs ici et là. Tu n'as pas bien préparé ou à temps, ainsi de suite. But, as we approach Thanksgiving, mais pendant que nous approchons le Thanksgiving, let every man and every woman, que chaque homme ou femme try to talk. Essaye de parler. As we talked the first time. De la même manière que nous avons parlé pour la première fois. With heart beating. Avec le cœur qui bat. You, my sweetheart. Toi, mon chéri. Regardless of the number of the year. Peu importe le nombre de temps. You know, you build up. Vous construisez vous-même. Appreciate one another. Appréciez-vous les uns les autres. And I think also as believers, je crois que comme des croyants, we have to take also time to appreciate one another. Nous devons prendre le temps aussi de nous apprécier les uns les autres. Because perfect love, parce que l'amour parfait, overlook the negative, néglige les parties négatives, and focus on the positive, et place son attention sur les positifs. That kind of meal you cook. Ce genre de nourriture que vous préparez, especially that one, spécialement cette nourriture, I never ate it anywhere else but you. Je n'ai jamais mangé ça ailleurs, seulement chez toi. And vice versa, et vice versa, that would be really wonderful. Ça sera vraiment merveilleux. And the children also, aussi les enfants, appreciate your parents, appréciez vos parents, parents, les parents, appreciate your children, appréciez vos enfants. Amen. Amen. I appreciate you all. Je vous apprécie tous. May God bless each one of you. Que Dieu vous bénisse chacun d'entre vous. And give to you your heart desire. Qui vous donne les désirs de votre cœur.
which is during this special season, pendant cette saison spéciale, to fill and refill and continue to refill you with the Holy Ghost. De vous remplir et de remplir de nouveau du Saint-Esprit. Amen. Amen. So we are going to continue with the message on the baptism of the Holy Ghost. Nous allons continuer avec notre message sur le baptême du Saint-Esprit. Last Wednesday we talked about the circumcision of the heart. Le mercredi passé nous avons parlé de la circoncision des cœurs, which was just a type. Ce qui n'était qu'un type of what we saw back then with the children of Israel. De ce que nous avons vu à l'époque avec les enfants d'Israël. Their circumcision. Leur circoncision was in the flesh, était dans la chair, to remove the surplus, d'ôter le pupus, before they can have the promised child. Avant d'avoir le fils promis. But our circumcision, mais notre circoncision, is not in the flesh. Ce n'est pas dans la chair. We are the Gentiles. Nous sommes des gentils. But it's the circumcision of the heart. Mais c'est la circoncision de cœur. And Israel was promised a natural land. On lui a promis un pays naturel. The promise we saw God speaking to Abraham. La promesse que nous avons vue Dieu parlant à Abraham was about giving Abraham a land. C'était à propos de donner une terre à Abraham. Not to Abraham only, pas seulement à Abraham, but to his seed. Mais à sa postérité. And I believe we are the seed of Abraham. Et je crois que nous sommes la postérité d'Abraham. That promise God gave, la promesse que Dieu a donnée, it's coming material in you and I. Et cela se matérialise en vous et en moi. With Israel, et avec Israël, it was a natural land, c'était une terre naturelle, which was called Canaan, ce qui était appelé Canaan. But for us, mais pour nous, the promised land, la terre promise, is a spiritual land, c'est une terre spirituelle, which is the Holy Ghost, qui est le Saint-Esprit. But as we are going to penetrate the subject, pendant que nous allons entrer dans le sujet, you will notice that Israel could not enter into the promised land. Vous allez remarquer qu'Israël ne pouvait pas entrer dans la terre promise without circumcision. Sans la circoncision. And the circumcision was really a key. Et la circoncision était vraiment importante, une clé. Us also. Et nous aussi, we cannot inherit the promise. Nous ne pouvons pas hériter la promesse without circumcision. Sans la circoncision. Not of the flesh, pas de la chair, but the circumcision of the heart. Mais la circoncision du cœur. And we said in the message, what is the Holy Ghost? Nous avons just dit dans a quick recap. Nous avons dit dans le message, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Paragraph 36. Paragraphe 36. So circumcision. Ainsi la circoncision. The Holy Spirit today circumcises the heart. Le Saint-Esprit aujourd'hui circoncise le cœur. So why Branham said today the circumcision is of the heart? Pourquoi Frère Branham dit la circoncision aujourd'hui c'est de cœur? Because in the past it was the circumcision of the flesh. C'est parce qu'à l'époque c'était la circoncision de la chair. So the heart has to be circumcised. Alors le cœur doit être circoncis. Because without the circumcision of the heart, parce que sans la circoncision du cœur, brother, we will just accumulate sin after sin. Frère, nous allons juste accumuler péché après péché. Because the way a human being is, parce que la manière dont l'être humain est, inside of the inside, à l'intérieur de l'intérieur, which nobody sees nobody, personne ne voit personne. This is where the problem is. C'est là où il y a le problème.
And if I can say the first enemy we have to fight, si je peux le dire ainsi, le premier ennemi que nous devons combattre, is not your brother, your sister. Ce n'est pas votre frère ou votre sœur. Oh, he has done, she has done. Oh, voilà, il a fait ou elle a fait. The first enemy, le premier ennemi, is yourself. C'est vous-même. If you come to overcome that inside, si vous arrivez à vaincre l'intérieur, then God will give you the Holy Ghost. Ainsi Dieu vous donnera le Saint-Esprit. God will not give anybody the Holy Ghost based on your judgment of another person. Dieu ne vous donnera pas le Saint-Esprit c'est basant sur votre jugement sur l'autre. God with Abraham, Dieu avec Abraham, he gave him the Holy Ghost. Il lui a donné le Saint-Esprit as a confirmation of his faith. Comme une confirmation de sa foi. So, as God is looking at each one of us, pendant que Dieu regarde chacun d'entre nous, the condition is, la condition est, if you believe, si vous croyez, God give you the Holy Ghost. Dieu vous donne le Saint-Esprit. And we mentioned three key words last Wednesday. Et nous avons mentionné trois mots clés. The time you believe firmly, le temps que vous croyez fermement, correctly, correctement, and a full surrender, et l'abandon complet, that's where God is going to give you the Holy c'est Ghost. C'est là que Dieu vous donnera le Saint-Esprit. Regardless of what. Peu importe. Because everybody claims, I believe, I believe, I believe. Parce que tout le monde se réclame d'être croyant, il croit, il croit. The old song the people say, because I believe the message, I got the Holy Ghost. Les vieilles chansons qui disent, parce que j'ai cru le message, j'ai le Saint-Esprit. True, if you believe. C'est vrai, si vous croyez. But how, what is a belief? Mais c'est quoi, croire? Is, human being is a three sphere. L'être humain est composé de trois parties. Body, spirit and the soul. Le corps, l'âme et l'esprit. The soul, l'âme, has only two faculties. N'a que deux facultés. Faith, la foi, doubt, et le doute. And the heart is surrounded with a lot of things coming in. Et le cœur est entouré de beaucoup de choses qui viennent entrer. If you can get rid of everything, si vous voulez, vous pouvez vous débarrasser de toutes ces choses. Jealousy. La jalousie. Malice. La malice. Hatred. La haine. Bitterness. L'amertume. Because the evidence of somebody with the Holy Ghost. Parce que l'évidence de quelqu'un qui a le Saint-Esprit. You know it yourself. Vous le verrez vous-même. If si you can put, you can love everybody the way God could love that person. Si vous pouvez aimer tout le monde de la même manière que Dieu vous aime. Even a drunkard, a sinner, même un soulard, un péché. Somebody pécheur, has hit you or whatever they have said. Quelqu'un qui vous a fait du mal, peut-être peu importe ce qu'il a dit. You check your heart. Vérifiez votre cœur. And you will know if you have, because the Holy Ghost is God in you. Et vous verrez parce que le Saint-Esprit c'est Dieu en vous. Would God treat that person the way you do? Est-ce que Dieu traiterait cette personne de la même manière que tu le traites? If the way you do, that's the way God will. Si de la manière que vous le faites, c'est la même manière que Dieu le fera. Regardless of what they are. Peu importe ce qu'ils sont. Then you know. Alors vous saurez. So that's why we said. Voilà pourquoi nous avons dit. The minute you believe in the message Israel and the Church Part 3. Le message Israël, troisième partie et l'Église, troisième partie. Paragraph 40. Paragraphe 40. He said, and you believe and accept Jesus as your savior. Et vous croyez, vous acceptez Jésus comme votre sauveur. Then God gives you the baptism of the Holy Ghost as. Et Dieu vous donne le baptême du Saint-Esprit comme. A confirmation of your faith. Une confirmation de votre foi. The problem, the baptism of the Holy Ghost is by faith. Le problème, le baptême du Saint-Esprit, c'est par la foi. A faith without doubt. Une foi sans doute. When you reach to that level, et quand vous arrivez à ce point, God gives you the Holy Ghost. Et Dieu vous donne le Saint-Esprit. As a confirmation of your faith. Comme une confirmation de votre foi. You say you believe. Vous dites, vous croyez. And haven't received the Holy Spirit? Et vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit? Something wrong with your faith. Quelque chose ne va pas avec votre foi. Not the faith of somebody. Pas la foi de quelqu'un d'autre. Your faith. Votre propre foi. God circumcises the heart. Dieu circoncise le cœur. The minute the believer really comes in full surrender. À la minute où le croyant arrive à l'abandon complet.
This is when God, the minute God circumcises you. Et c'est là la minute que Dieu vous circoncise. And he went down, he said, et il avance et dit, when the believer, quand le croyant, when the believer firmly believes on the Lord Jesus Christ. Quand le croyant croit fermement au Seigneur Jésus-Christ. Firmly means there is no doubt. Fermement veut dire qu'il y a point de doute. And the doubt comes when you have things in your heart. Et le doute arrive quand vous avez quelque chose dans votre cœur. Hatred. La haine. It cannot produce faith. Ne peut pas produire la foi. Jealousy. La jalousie, it cannot produce faith. Ne peut pas produire la foi. And God cannot seal you. Et Dieu ne peut pas vous sceller. And when the believer firmly believes on the Lord Jesus Christ, quand le croyant croit fermement au Seigneur Jésus-Christ, God is under obligation to give him the Holy Ghost. Et Dieu sous obligation de lui donner le Saint-Esprit. As a confirmation of his faith. Comme une confirmation de sa foi. See? Say, what's the matter, Brother Branham? Vous dites, c'est quoi le problème, Frère Branham? Just your faith. Seulement votre foi. Brother, it's a time. Frère, c'est le temps. You have to clean up your heart. Vous devez nettoyer votre cœur. Clean up your mind. Nettoyer votre pensée. When a battle comes, quand la bataille arrive, you will know. Vous saurez. It is a mind, not a strange mind. Ce n'est pas une pensée étrangère. It's a strange mind. C'est une pensée étrangère. C'est pas une pensée étrangère. C'est une pensée. C'est une pensée étrangère. Yeah, it's coming from the devil. Ça vient du diable. To make you think. Pour vous faire penser. No, we don't have to do anything but believe. Nous ne devons rien faire sauf la foi. If you would surely believe. Si vous croirez simplement. God is there to give it to you. Dieu est là pour vous le donner. While Peter spake these words, pendant que Pierre parlait ces mots, the Holy Ghost fell on them that heard the word. Le Saint-Esprit descendit sur ceux qui entendaient cette parole. Is that right? Est-ce correct? Acts 10:49. I think we read it last Wednesday. Je crois que nous l'avons entendu le mercredi in passé. In the house of Cornelius. Dans la maison de Corneille. They were there. Ils étaient là. You know the story of Cornelius and Peter, how they sent, go get Peter, etc. Vous savez l'histoire de Corneille avec Pierre, les saints sont allés prendre as Pierre. As Peter was speaking, pendant que Pierre parlait, the Holy Ghost fell. Le Saint-Esprit descendu. Even the pagan, même les païens, received the Holy Ghost. Ils recevaient le Saint-Esprit. All is when you can believe. Tout ceci, c'est quand vous pouvez croire. With all your heart. Avec tout votre cœur. You can be, say, I believe, I believe. Vous dites, je crois, je crois. And inside there is nothing. Mais à l'intérieur, il n'y a rien. That's what, it's you and God. C'est entre vous et Dieu. God wants to see your faith. Dieu veut voir votre foi. Amen. Amen. All right, notice the Holy Ghost and fire came from heaven. C'est bon, remarquez le Saint-Esprit descendu du ciel. Burn out all the dross. Et a brûlé toutes les saletés. Circumcise the heart. A circoncis le cœur. Cut off all the surplus. Et a ôté le surplus. And become a new creature. Et devenez une nouvelle créature. And also in the message Israel and the Church part 4. Et dans le message encore Israël et l'Église par 3/4 partie. Paragraph 45. Paragraphe 45. You believe God by faith. Vous croyez Dieu par la foi. You believe God by faith. Vous croyez Dieu par la foi. That you are saved. Que vous êtes sauvé. Brother, you have to remove every doubt. Frère, vous devez ôter tout le doute. Don't let anybody even make think you that you are not saved. Ne laissez pas personne vous faire croire que vous n'êtes pas sauvé. It's not anybody's business. Ça n'a rien à voir avec quelqu'un. It's God's business with the individual. C'est votre affaire avec Dieu. If you can just believe, si vous pouvez tout simplement croire, that you are saved, que vous êtes sauvé, and you continue to walk, et vous continuez à marcher, God is going to visit you, et Dieu vous visitera, and accept him, et l'accepter, and whenever you do, et n'importe quand vous le faites, n'importe God quand gives faites, you the Holy Ghost as a seal of the promise that he promised you. Dieu vous donne le Saint-Esprit comme un sceau qu'il vous a promis. So the Holy Ghost is a gift of God, that's right. Alors le Saint-Esprit, c'est un don de Dieu, c'est correct. That circumcises the heart. Qui circoncit le cœur. Cut away the surplus flesh.
ôter le surplus de la chair and makes you a new creature in Christ Jesus. Et vous rend une nouvelle créature en Jésus-Christ. Amen. Amen. All right. C'est vrai. There you are. Le voici. It's nothing you had to do in yourself. Ça n'a rien à voir avec ce que vous pouvez faire par vous-même. It's a gift of God. C'est seulement un don de Dieu. And listen to this. Écoutez ceci. And when you believe correctly, et quand vous le croyez correctement, God gives it to you. Et Dieu vous le donne. Brother, it's a matter of believing. Oh, brother, you can say you believe, but do you believe firmly, correctly? Frère, vous pouvez dire que je crois. Est-ce que vous croyez fermement et correctement? Amen. Amen. And where we left off was the message, the super sense. Et là où nous avons laissé le message, le super sens. Paragraph 159, I think we read it. Paragraphe 159, je crois que nous l'avons lu. Recapitulating. Et je suis en train paragraph de récapituler. 159. Paragraphe 156. And 159. Brother Branham said. Frère Branham dit. But regardless of this does, believe that. Peu importe si lui a fait cela, croyez. Believe that. Croyez cela. That's where the power. C'est là qu'il y a la puissance. If you believe in your heart. Si vous le croyez dans votre cœur. Oh, he has done this, my husband, my wife. Voilà, il a fait ceci, mon mari, ma femme. Your faith. C'est votre foi. That's the power. C'est là la puissance. Your fifth sense of thinking lays within your brain. Votre cinquième sens de pensée réside dans votre cerveau. But your sixth sense lays in your heart. Mais votre sixième sens réside dans votre cœur. Faith is your heart. La foi est dans votre cœur. To have faith established, you have to remove all the dross. Si vous voulez avoir une foi établie, vous devez enlever toutes les saletés. You believe with your heart. Vous croyez avec votre cœur. And you make confession with your mouth. Et vous pouvez confesser avec votre bouche. But you believe with your heart. Mais vous croyez avec votre cœur. Yes, sir. Oui, monsieur. That's sixth sense. C'est le sixième sens. That powerful force. C'est une puissante force puissante. And in the message expectation. Dans le message expectative. I think I gave a homework last Wednesday. Je crois que j'ai donné un devoir à domicile. What was the homework? C'était quoi ce devoir? Brother Caleb. Priez que Dieu circoncise. It was three days that everybody has to pray for God to circumcise his heart. C'était la prière que Dieu circoncise nos cœurs. Not only our heart, circumcise our eyes. Pas seulement nos cœurs, que Dieu aussi circoncise nos yeux. So that we cannot look at the bad stuff. Amen. Afin que nous ne puissions pas regarder aux mauvaises choses. When Pharaoh was looking at the children of Israel. Quand Pharaon regardait aux enfants d'Israël, it was a bunch of slaves. C'était des esclaves. But when Moses was looking, mais quand Moïse regardait aussi, it was the people of God. Mais c'était le peuple de Dieu. The difference, la différence, is the circumcision. C'était la circoncision. With your eyes circumcised, avec votre yeux circoncis, you will see positive. Vous allez voir le positif. With your ears circumcised, avec vos oreilles circoncises, you will receive something positive. Vous allez recevoir des choses positives. Circumcision is very important. La circoncision est très importante. So I think I left up with the message expectation with Brother Branham mentioning two things. Je crois que j'ai laissé là où Frère Branham a parlé de certaines choses dans le message expectative. Paragraph 25. Paragraphe 25. He said, "Now there is two things in that that draws the opinion." Voilà qu'il y a deux choses qui retirent ces opinions. First, there is an intellectual part. Premièrement, c'est la partie intellectuelle. Which is your mental part. Ce qui est votre partie mentale. You can say you have a faith. Vous pouvez dire que vous avez la foi. But it's an intellectual faith. C'est une foi intellectuelle. But the other side is, the next is your soul. Et la suivante, c'est votre âme. That's where really faith resides. C'est là où la foi réside. Where you have not to question nothing. Là où vous pouvez questionner rien du tout. You believe the word of God as given. Vous croyez la parole de Dieu comme cela a été donné.
No argument. Il y a pas d'argument. You just believe it. Vous le croyez tout simplement. No understanding. Il y a pas de compréhension. God did not ask us to understand. Dieu ne nous a pas demandé de comprendre. God has asked us to believe. Dieu nous a demandé de croire. And Brother Branham went down to explain what they have found in the human heart. Frère Branham est allé plus loin pour démontrer ce qu'ils ont trouvé dans le cœur humain. He said, "You think with your mind." Vous pensez avec votre pensée, votre tête. But you believe with your heart. Mais vous croyez avec votre cœur. God is right after all. Dieu est tout en toute chose. It's in your heart. C'est dans votre cœur. He said where science just discovered in the human heart. Il parle de ce que la science a découvert dans le cœur humain. Where there is no cell somewhere. Où il n'y a pas de cellule quelque part. But it's where God resides. Et c'est là où Dieu réside. In the middle of paragraph 26. Au milieu de paragraphe 26. He talk about and that intellectual faith. Il parle de la foi intellectuelle. Will reason with God's word. Va réfléchir avec la parole de Dieu. The intellectual faith. Cette foi intellectuelle. Sometimes we claim we have a faith, but which kind of faith are we talking about? Parfois nous réclamons que nous avons la foi, mais de quelle foi nous parlons? You have to go talk with God. Vous devez aller parler avec Dieu. God, you have promised the Holy Ghost. Dieu vous avait promis le Saint-Esprit. And I believe. Et je crois. Why I don't have the Holy Ghost? Pourquoi je n'ai pas le Saint-Esprit? That means somewhere. Ça veut dire quelque part. Something is missing. Quelque chose manque. I'm questioning, je me pose des questions, etc. But a born again experience from the heart, mais une nouvelle naissance, une expérience de nouvelle naissance du cœur, will not reason, ne va pas raisonner. It will say, va dire, God's word is right, la parole de Dieu est correcte. There is no more to do with it, il n'y a rien à faire avec cela. It's right. C'est correct. Because something down here that says it that says it itself. Parce qu'il y a quelque chose là-bas en bas qui dit qui le dit. You have nothing to do with it. Vous n'avez rien à faire avec cela. It's God in the heart. C'est Dieu dans le cœur. Amen. Amen. So this is where we left off. C'est là que nous avons laissé. And we are going to continue this morning. Et nous allons continuer ce matin. With the second circumcision. Avec la seconde circoncision. If we can take the reading of the scripture. Si nous pouvons ouvrir. Genesis. Just to save some time. Genesis 17 is where God has made a promise to Abraham and his seed. I will just read it quickly in English. Genesis 17, verse 9. Pour gagner du temps, Genèse 17, 9. We have read it. We have read it the last three services. Nous avons lu dans quelques services. Genesis 17. Genèse 19, 17. Verse 9. Verset 9. And God said unto Abraham, Thou shalt keep my covenant, therefore, thou and thy seed after thee in their generation. Pause there. Arrêtez-vous là. So that's a promise God gave to Abraham. Ça, c'est la promesse que Dieu a donnée à Abraham. Not only Abraham, pas seulement Abraham, but his seed after him. Mais sa semence après lui. And I believe we are that seed. Et je crois que nous sommes cette so semence. We have to take the same promise. Alors nous devons prendre la même promesse. And believe the same way. Et croire de la même manière. Verse 10. Verset 10. This is my covenant which ye shall keep between me and you and thy seed after. Every man child among you shall be circumcised. So that's the promise of circumcision. Ça c'est la promesse de la circoncision. This to say. Ça c'est pour dire. For God dealing with Abraham. Pour Dieu traitant avec Abraham. When he told Abraham to be circumcised. Quand Dieu lui a dit de pouvoir se circoncire. It was not for Abraham alone. Ce n'était pas seulement Abraham seul. But Abraham and all his seed. Mais à Abraham et à toute sa semence. Male must be circumcised. Le mâle ou les hommes devraient être circoncis. Verse 12. Verset 12. That talking about the eighth day. Ça parle du huitième verse jour. Verse 13. Verset 13. I think
everlasting. That's fine. So let us go into book of Acts. Prenons le livre des Actes. Acts chapter 7. Acte chapitre 7. From the first verse. Commençons au premier verset. Then said the high priest, "How do you think so?" Yeah, you can read that. Et le souverain sacrificateur dit, ces choses sont-elles ainsi? And he said, "Men, brethren, and fathers, hearken. The God of glory appeared unto our father Abraham when he was in Mesopotamia, before he dwelt in Charan." Et il dit, hommes, frères et pères, écoutez, le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie avant qu'il n'habitât en Charan. And said unto him, get thee out of thy country and from thy kindred and come into the land which I shall show thee. Et il lui dit, sors de ton pays et de ta parenté et viens au pays que je te montrerai. Then came he out of the land of Chaldeans and dwelt in Charan, and from thence, when his father was dead, he removed him into this land wherein he now dwell. Alors sortant du pays des Chaldéens, il habita en Charan, et de là, après que son père fut mort, Dieu le fit passer dans ce pays où vous habitez maintenant. And he gave him none inheritance in it. No, not so much as he set his foot on, yet he promised that he would give it to him for a possession, and to his seed after him, when as yet he had no child. Et il ne lui donna pas d'héritage dans ce pays, pas même où poser son pied, et il lui promit de lui donner en possession et à sa postérité après lui, alors qu'il n'avait point d'enfant. And God spake on this wise, that his seed should sojourn in a strange land, and that they should bring them into bondage and entreat them evil 400 years. Et Dieu parla ainsi, sa postérité séjournera dans une terre étrangère, et on la servira et on la maltraitera pendant 400 ans. And the nation to whom they shall be in bondage will I judge, said God, and after that shall they come forth and serve me in this place. Et je jugerai, moi, la nation à laquelle ils auront été asservis, dit Dieu, et après cela, ils sortiront et me serviront en ce lieu-ci. Verse 8. Verset 8. And he gave him the covenant of circumcision. And so Abraham begat Isaac and circumcised him the 8th day. And Isaac begat Jacob, and Jacob begat the 12 patriarchs. Et il lui donna l'alliance de la circoncision. Et ainsi Abraham engendra Isaac et le circoncit le 8th jour. Et Isaac, Jacob et Jacob, le 12 patriarches. You see here the lineage, how they were circumcised. Vous pouvez voir ici comment la progéniture a été circoncise. And let's skip to verse 51. Verset 51. You see in the book of Acts of the Apostles. Vous voyez dans le livre des Actes des Apôtres. They are referring to the circumcision from the time of Abraham. Ils sont en train de se référer à la circoncision du temps d'Abraham. And now God is saying, maintenant Dieu est en train de dire, ye stiff-necked and uncircumcised in heart and ears, ye do always resist the Holy Ghost, as your fathers did, so do ye. Gens de col raide et incirconcis de cœur et d'oreille, vous résistez toujours à l'Esprit Saint comme vos pères, vous aussi.
See, here it's talking about the circumcision of heart and ears. Ici, on parle de la circoncision des oreilles et de cœur. And before we go there, let's take the last scripture. Avant de partir là-bas, prenons la dernière écriture. Joshua chapter 5. Josué chapitre 5. From verse 1. Commençons le premier verset. And it came to pass when all the kings of the Amorites, which were on the side of Jordan westward, and all the kings of the Canaanites, which were by the sea, heard that the Lord had dried up the waters of Jordan from before the children of Israel until we were passed over, that their heart melted, and neither was their spirit in them anymore because of the children of Israel. Et il arriva que lorsque tout le roi des Amoréens qui était en deçà du Jourdain vers l'Occident et tout le roi des Cananéens qui était près de la mer entendirent comment l'Éternel avait mis à sec les eaux du Jourdain devant les fils d'Israël jusqu'à ce que nous fissions passer, leur cœur se fondit et il n'y eut plus de courage en eux à cause des fils d'Israël. And at that time the Lord said unto Joshua, make thee sharp knives, and circumcise again the children of Israel the second time. En ce temps-là, l'Éternel dit à Josué, fais-toi des couteaux de pierre et circoncis encore une fois les fils d'Israël. And Joshua made him sharp knives and circumcised the children of Israel at the heel of the foreskins. Et Josué et ses filles de couteaux de pierre et circoncis les fils d'Israël à la colline d'Araloth. And this is the cause why Joshua did circumcise. All the people that came out of Egypt that were male, even all of them, even all the men of war, died in the wilderness, by the way, after they came out of Egypt. Et c'est ici la raison pour laquelle Josué les circoncis, tout le peuple qui était sorti d'Égypte, les mâles, tous les hommes de guerre, étaient morts dans le désert en chemin après être sortis d'Égypte. Now, all the people that came out were circumcised. But all the people that were born in the wilderness, by the way, as they came forth out of Egypt, them they had not circumcised. Car tout le peuple qui était sorti avait bien été circoncis, mais de tout le peuple né dans le désert, en chemin après être sorti d'Égypte, aucun n'avait été circoncis. Let us pray. Nous allons prier. Again, precious Heavenly Father. Encore, précieux Père Céleste. After the reading of thy word, après la lecture de ta parole, we want you to circumcise our ears. Nous voulons que tu puisses circoncire nos oreilles. Circumcise our heart, nos cœurs, so that we can inherit the promised land. Pour que nous puissions hériter la terre promise. Grant it, Father. Accorde-le, Père. In Jesus Christ's name, we pray. Au nom de Jésus Christ. Amen. Amen. You may be seated. Vous pouvez vous asseoir. I will take you through a little background of what I'm speaking this morning. Je vais vous donner un peu l'arrière-plan de ce que je suis en train de parler ce matin. God spoke with Abraham. Dieu a parlé avec Abraham. And told him. Il a dit. That your seed. Que ta semence. Will sojourn. Va séjournera in a strange land dans une terre étrangère for 400 years pendant 400 ans and God will take them out with a mighty hand et il le sortirait par une main puissante and that land et cette terre was the land of Egypt était la terre d'Égypte.
So Israel in Egypt. Israël en Égypte. That was the first step. Là, c'était la première étape. But according to the promise God gave to Abraham, selon la promesse que Dieu a donnée à Abraham, he said, Abraham, il dit Abraham, you, toi, and your seed, et ta semence, I'm gonna give you a land. Je vais vous donner une terre. Which I will call ce que je vais appeler the promised land. La terre promise. And that land is not Egypt, n'est pas l'Égypte, but it was the land of Canaan. Mais c'était la terre de Canaan. Now, maintenant, Egypt, l'Égypte, and Canaan, et Canaan, were separated, étaient séparés, according to Brother Branham, selon Frère Branham, about 40 miles. C'est presque 50-60 kilomètres. Brother, do you understand this? Vous comprenez ceci? 40 miles. 40 milles, 50-60 kilomètres. And for 40 miles, et pendant, c'est pour cette distance, you could do it, vous pouvez le faire in 2 or 3 days. Vous pouvez le parcourir dans 2 ou 3 jours. But how long they take, they did? Mais combien de temps ont-ils fait, pris? They took 40 years. Ils ont passé 40 ans. And from the people, et de ces gens, who were in Egypt, qui étaient en Égypte, who came out of Egypt, qui sont sortis de l'Égypte, there were 2 million people. Il y en avait 2 millions. Out of the 2 million, hors de ces 2 millions, from this generation, de cette génération, only 2 entered. Seulement 2 qui sont entrés. Even Moses, même Moïse, did not enter. N'est pas entré. And Branham said, et Branham a dit, Moses was not lost anyway. Moïse n'était pas perdu. Because 800 years after, parce que 800 ans après, they found him on the Mount of Transfiguration. On l'a trouvé sur la montagne de Transfiguration. With Elijah, avec Élie, and Jesus, et Jésus. So this is just the background of what I'm going to speak. Et ça c'est juste l'arrière-plan de ce que je vais parler. I'm talking about the second circumcision. Je parle de la deuxième circoncision. So, in Egypt, alors en Égypte, based on the promise that God gave to Abraham, basé sur la promesse que Dieu a donnée à Abraham, every time a man was born, à toute le fois que un homme était né, the 8 days, le huitième jour, it was a circumcision. C'était la circoncision. So, out of these 2 million, hors de ces 2 millions, they came out. Ils sont sortis. All of them were circumcised. Tous étaient circoncis. And they came out. Et ils sont sortis. They start the journey. Ils ont commencé la marche. Now, when they came out Egypt, parce que quand ils sortent de l'Égypte, there were some mothers who were pregnant. Il y avait des mamans qui étaient enceintes. And they start delivering babies in the wilderness. Et ils ont commencé à faire des bébés pendant le voyage. Because the journey, instead of 2 or 3 days, took 40 days. Et comme le 40 years. Et le voyage qui pouvait prendre 2 à 3 jours après 40 so ans. So we find ourselves with a lot of men. Et nous nous retrouvons avec un tas de hommes. Uncircumcised. Incirconcis. So all that were in Egypt were circumcised. Tous ceux qui étaient en Égypte étaient circoncis. And they start the journey. Ils ont commencé le voyage. They crossed the Red Sea. Ils ont traversé la mer Rouge. They went in the wilderness. Ils sont partis dans le désert. With Moses, with the pillar of fire. Avec Moïse et la colonne de the feu. The cloud. La nuée. And there was a wonderful journey. Et il y avait un merveilleux voyage. During the journey. Et pendant le voyage. God provided the manna. Dieu a pourvu la manne. God gave them a cloth. Dieu les a donné des habits. God healed them. Dieu les a guéris, etc. Ainsi de suite. They came to a place. Ils sont arrivés à un endroit. They came before they come to Canaan. Avant qu'ils atteignent Canaan, they have to cross Jordan. Ils devraient traverser le Jourdain. So they face Jordan. Ils font face au Jourdain. And after they
When they faced Jordan, quand ils ont fait face au Jourdain, God told Joshua. Dieu a dit à Josué. He said. Il dira. Take the stone. Prends le pierre. And take 12 stones according to the 12. Et prends 12 pierres dans le Jourdain selon chaque tribu. And the Jordan was dried up. Et le Jourdain était sec. And they crossed. Ils ont traversé. As soon as they crossed. Aussitôt qu'ils ont traversé. They were in Canaan. Ils étaient en Canaan. God told Joshua. Dieu a dit à Josué. Now. Maintenant. All these people here. Toutes ces personnes ici. This is where the second circumcision was. C'était là où maintenant la deuxième circoncision a eu lieu. Why circumcision? Pourquoi la circoncision? You cannot get into the promised land. Vous ne pouvez pas entrer dans la terre promise. If you are not circumcised. Si vous n'êtes pas circoncis. So, here. Ici. They had to be circumcised. Ils devraient être circoncis. In order to inherit the Canaan land. Pour pouvoir hériter la terre de Canaan. So this is where I'm starting the message. C'est là où je commence le message. The second circumcision. La deuxième circoncision. If you can understand it very well. Si vous pouvez mieux le comprendre. It was God's requirement. C'était l'exigence de Dieu. Since Abraham, depuis Abraham, that every male to be circumcised. Que chaque mâle devrait être circoncis. No circumcision. Sans circoncision. No promised land. Il n'y avait pas de terre promise. And Canaan. Et Canaan. Représente. The Holy Ghost. Le Saint-Esprit. This is where we have to get. C'est là où nous devrons atteindre. You cannot get to the Holy Ghost. Vous ne pouvez pas atteindre le Saint-Esprit. Without a circumcision. Sans la circoncision. So all the bunch of people who came. Alors tous ces tas de personnes qui sont venues. Born in the wilderness. Nés dans le désert. They have a problem. Ils ont un problème. Uncircumcised. Incirconcis. Without circumcision. Sans la circoncision. You cannot possess the land. Vous ne pouvez pas posséder le pays. Without the Holy Ghost. Sans le Saint-Esprit. You cannot possess the land. Vous ne pouvez pas posséder le pays. Once you possess the land. Une fois que you are circumcised. Une fois que circoncis. You get into the land. Vous entrez dans le pays. This is where Joshua starts dividing. The land to each person. C'est là où Josué commence à diviser le pays à chaque tribu. This is our inheritance. C'est ça notre héritage. You cannot inherit here. Vous ne pouvez pas hériter là-bas. If you are not circumcised. Si vous n'êtes pas circoncis. That was the requirement. C'était là l'exigence. And Branham said. Et Branham a dit. The real fight. Le vrai combat. He said, Canaan does not represent the millennium. Il dit Canaan ne représente pas le millénium. Canaan represents just the dispensation of the overcomer. Canaan représente juste la dispensation des vainqueurs. And Branham said, et Branham a dit, if you want to see the real fight, si vous voulez voir le vrai combat, just get the Holy Ghost. Il dit recevez seulement le Saint-Esprit. Amen. Amen. Just receive the Holy Ghost. Recevez le Saint-Esprit. The whole hell will be turned against you. Tout l'enfer se retournera contre vous. Brother, you are not vous. Gonna rest. Frère, vous n'allez pas vous reposer. You are gonna have a fight. That's the reason why the Holy Ghost was given. Vous allez avoir des combats. C'est la raison pour laquelle le Saint-Esprit. That's the purpose of the circumcision. C'est ça le but de la circoncision. If you don't have the Holy Ghost, si vous n'avez pas le Saint-Esprit, uncircumcised of heart, incirconcis de cœur, stiff-necked. Avec un cou raide. Your neck will be turning always. Votre cou sera toujours en train de tourner. Every woman, you are driving. Vous êtes en train de conduire. Because of the lack of circumcision. À cause du manque de circoncision. That's why Joshua said. C'est pourquoi Josué dira. You cannot enter the promised land. Vous ne pouvez pas entrer dans la terre promise. And this is where the bride must rejoice of the gift. Et c'est là où l'épouse doit se réjouir des dons. In Canaan, en Canaan, with the Holy Ghost, avec le without Saint-Esprit, the Holy Ghost, sans le Saint-Esprit, you cannot. Vous ne pouvez pas. It's your own gift. C'est vos propres dons. But it's not what God has given. Je sais, mais ce n'est pas ce que Dieu a donné. Branham said. Branham a dit. I hope I go to the last quote.
Hop, je vais à la dernière citation. Which will serve as an introduction here. Et qui va servir comme in the message ici. Where I think Pentecost failed. Dans le message là où je pense les pentecostistes ont failli. Paragraph 52. Paragraphe 52. Moses led 2 million people through the wilderness. Moïse a conduit 2 millions de personnes dans le désert. And he led them for the space of 40 years. Il les a conduits pendant une période de 40 ans. And when he came out on the other side, et quand il est sorti de l'autre côté, there wasn't a feeble among them. Il n'y avait pas un faible parmi eux. Dr. Moses gave them prescription, medication, food, manna, etc. Le docteur Moïse leur a donné la nourriture, la médication, des prescriptions, ainsi de suite. And remember, et souvenez-vous, the food they ate in the wilderness, la nourriture qu'ils ont mangée dans le désert, was the manna. Était la manne. It was falling every day. Ça tombait chaque jour. But as soon as they get into the promised land, aussitôt qu'ils sont entrés dans la terre promise, no more manna. Il n'y avait plus de manne. It was a solid meal. C'était maintenant la nourriture solide. So, brother, frère, the Holy Ghost, le Saint-Esprit, will lead us to solid food. Il va vous conduire à la nourriture solide. Amen. Going down, descendant, Branham said, Branham a dit, as long as they were obedient, aussi longtemps qu'ils étaient obéissants, as long as they wasn't grumbling and fussing, aussi longtemps que non, ils n'étaient pas en train de discuter et tout, as long as they were obedient and walked humbly before God, aussi longtemps qu'ils étaient humbles et marchant devant Dieu, God went before them and led them by the hand. Et Dieu était allé devant eux et il les conduisit par la main. And packed them on eagle's wings. Et les transporta sur les ailes d'aigle. But the minute they go out of order, mais à la minute qu'ils se sont séparés de l'ordre, God separated himself from them. Et Dieu se sépara d'eux. Is that right? Est-ce que c'est vrai? Well, bien. The journey, le voyage, was only about 40 miles. Le voyage n'était que pour 40 milles. That's ou 50 à 60 kilomètres. It was only 40 miles. C'était seulement 40 miles. Brother, imagine, frère, you are going somewhere 40 miles away. Vous allez quelque part à 50-60 kilomètres. You can make it in 2 days. Maybe those who are driving 90 miles an hour, they can make it by 20 minutes. Et ceux qui conduisent à presque 90 kilomètres, ils peuvent arriver là dans 20 minutes. And they could made it in a couple 3 days. Ils pouvaient y arriver dans quelques jours. And they were 40 years wandering around out there trying to get ready to go over. Mais ils étaient là en train de tourner jusqu'à ce pour pouvoir arriver là-bas. And brother, I think I want each one to get this. Et frère, je veux que tout le monde puisse saisir ceci. God made them give them a promise. Et Dieu leur a donné la promesse. And the promise was at their reach. Et la promesse était devant, presque devant eux. It was just a matter of time you are there. Et c'était juste un problème de temps, vous êtes là. God gave them the promise. Dieu leur a donné la promesse. 40 miles, get out, get in. Et 64 kilomètres, entre sortez, entrez. But as long as, mais aussi longtemps, they were obedient, ils étaient obéissants, God was guiding them, Dieu le conduisait, but, mais, as soon as they get out of order, aussitôt qu'ils ont quitté l'ordre, God left them. Et Dieu les a laissés. Now they were looking for the way. Maintenant, ils étaient en train de chercher leur oh, voie. Brother, frère, let's go this way. Allons de cette manière. They go, ils partent, non. Dead end. Là, c'était sans issue. They turn this way. Ils tournent là-bas. They turn this way. Ils tournent de ce côté. Brother, sister, frère et sœur, 40 years. Pendant 40 ans. 40 years. Pendant 40 ans. Brother, sister, frère et sœur, your promise, votre promesse is at your reach. C'est à votre portée. As long as you obey the word of God, aussi longtemps que vous obéissez la parole de it Dieu, may take you two, three days. Ça peut vous prendre 2-3 jours. But because of disobedience, mais à cause de la désobéissance, God is gonna teach you the same lesson. Dieu va vous enseigner la même leçon. And Branham said, et Branham a dit, and that's just like the church today, et tonight. C'est comme cela, comme l'église aujourd'hui ce soir. We got all mixed up. Nous sommes tout emballés. That's the problem. C'est ça le problème. We want to do things in a certain way. Nous voulons faire les choses d'une certaine manière. The way we understand. La manière dont nous le comprenons. And God is gonna watch. Et Dieu va observer.
Regardless of how long you are going to spend your time. Peu importe combien longtemps vous allez perdre votre God temps. God doesn't care. Ça importe peu à the Dieu. The only thing God wants to see. La seule chose que Dieu veut voir. Is obedience. C'est l'obéissance. Obedience. L'obéissance. Just 40 years. Pas seulement 40 ans. You go here. Vous allez ici. In the meantime. À l'entretemps. 40 years. 40 ans. Children are born. Les enfants sont nés. 40 years. 40 ans. During the 40 years, pendant les 40 ans, another thing, une autre chose, all the 2 millions, tous les 2 millions, they die. Ils meurent. Except Joshua and Caleb who made it. À part Caleb et Josué qui sont arrivés. And in the wilderness, et dans le désert, there were some people, il y avait des gens who did not know anything, qui ne connaissaient rien du oh, tout. That's the journey. Là, c'est le voyage. They are going somewhere. Ils vont quelque Let part. Me join the church. Et laissez-moi me joindre à l'église. Et sans without objectif, a purpose, sans un but. Just joining a church. Juste joindre oh, l'église. We see the pillar of fire. Oh, non, nous voyons la colonne de feu. Allons-y. Brother, you have to have a revelation. Frère, vous devrez avoir la révélation of who you are. De qui vous êtes. Which, what did the promise God give to you? C'est quelle est la promesse que Dieu vous a donnée? And if you are the seed of Abraham, et si vous êtes la semence d'Abraham, you claim the promise from Abraham. Vous réclamez la promesse d'Abraham. That promised land is mine. Que cette promesse est mienne. So that's the problem. C'est là le problème. Now, maintenant, what is Canaan? C'est quoi Canaan? Oh, we are going to the promised land. Oh, nous allons dans la terre promise. In the message. Dans le message. Adoption. Adoption. First part. Première partie. May 15, 1960, paragraph 34. Paragraphe 64, le 15 mai 1960. 34. Paragraphe 34. Now, maintenant, I have typed it with Joshua. J'ai typifié cela avec Josué. If you notice, si vous remarquez, Israel was brought up out of Egypt. Israël était sorti de l'Égypte. And there is three stages in their journey. Il y a trois étapes dans leur voyage. One stage was leaving Egypt. Et la première était celui de quitter l'Égypte. The next stage was the wilderness. Le suivant, c'était le désert. And the next stage was Canaan. Et le suivant était le Canaan. This is a summary. C'est là le résumé. First stage, let us go out of Egypt. Le premier, sortons de l'Égypte. And the time they spent in the wilderness. Et l'étape, le temps qu'ils ont passé dans le désert. And the last was the promised land. Et le tout dernier, c'était la terre promise. And remember the promise. Et souvenez-vous de la promesse. You are going to possess the land. Vous allez posséder le pays. And that's what Israel until today understands. Et c'est ce que Israël jusqu'à ce jour comprenne. That promised land. Que cette terre promise. It's their possession. C'est leur possession. It's their inheritance. C'est leur héritage. Now the nation government. Maintenant le gouvernement with des nations. The United States. Avec les États-Unis. And the Middle East countries. Avec le pays du Moyen-Orient. They want to divide the land. Ils veulent diviser le pays. To give some. Pour pouvoir donner une partie. You see the posterity. Vous voyez la postérité. Was Abraham. Était Abraham. Isaac. 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 Jacob. 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 Joseph. Joseph. And Brother Branham said. Et frère Branham a dit. The real promised son. Le fils promis réel. Was Jesus Christ. C'était Jésus Christ. Leading to Christianity. Qui conduit à la chrétienté. Ishmael is not in the picture. Ismaël n'est pas dans le programme. So now Ishmael. Maintenant Ismaël. With Muhammad. Avec Mohammed. And Islam. Et l'islam. They came. Ils sont venus. They are trying to find the land. Ils essayent de trouver une terre. But if you go back in the days of Abraham. Mais si vous rentrez dans le jour d'Abraham. Hallelujah. Alléluia. God never gave a promise to Ishmael. Et Dieu n'a jamais donné la promesse à Ismaël. Ishmael was not the promised son. Ismaël n'était pas le fils promis. Therefore this land. Alors ce
pays. There is nothing to do with Ishmael. N'a rien à voir avec Ismaël. So the children of Abraham. Les fils d'Abraham. They understand their position. Ils comprennent leur position. And that's why they are claiming their rights. C'est pourquoi ils réclament leurs droits. And as you claim your rights. Et quand vous réclamez vos droits. Brother, there is no room for compromise. Frère, il n'y a pas de place à compromettre. This is our promised land. Ça c'est notre terre promise. Good health is your promised land. La bonne santé est votre terre promise. The spiritual blessings are your promised land. Les bénédictions spirituelles sont votre you promesse. You cannot share it with Satan. Vous ne pouvez pas le partager avec le diable. This is everywhere. Partout. Your foot should trod off. Là où vous posséderez la plante de votre that pied. That land is yours. Cet endroit est and votre. And you shall possess. Et vous allez posséder. The gate of enemies. La porte de vos ennemis. And this is the possession of Israel. Et ceci est la possession d'Israël. Therefore. Donc. That's Israel in the flesh. Là c'est Israël dans la chair. Now Israel in the spiritual. Et maintenant Israël dans le spirituel. Our possession. Notre possession. Is the baptism of the Holy Ghost. C'est le baptême du Saint-Esprit. And there is no way. Et il n'y a pas moyen to compromise, de pouvoir compromettre, to give up something, de pouvoir donner quelque, céder quelque chose, part of the Holy Ghost. Partie du Saint-Esprit. That's why, c'est pourquoi when they get in the promised quand land, ils sont entrés dans la terre promise, now notice, maintenant remarquez, when they cross the Jordan, quand ils traversent le Jourdain, they were in the promised land. Ils étaient dans la terre promise. But before they start possessing, mais avant de commencer à posséder, what they do, qu'est-ce qu'ils ont fait? Joshua said, Josué dit, there is a fight before. Il y a un combat devant. The first obstacle, là, le premier obstacle was Jericho. C'était Jéricho. We have to take Jericho. Nous devons d'abord posséder Jéricho. Jericho was in the promised land. Jéricho était dans la terre we promise. We have to possess Jericho. On doit posséder Jéricho. But how do we do? Mais comment allons-nous faire? That's why Joshua said. C'est pourquoi Josué dit. We cannot possess Jericho. Nous ne pouvons pas posséder Jéricho. If si we are not circumcised. Si nous ne sommes pas circoncis. The same stone. La même pierre. The same stones. Les mêmes pierres. That they took out of Jordan. Qu'ils ont retiré de du they Jordan. They put it in a place called Gilgal. Ils ont mis cela à un endroit appelé Gilgal. And Israel camp around there. Et Israël s'est placé autour. And Joshua. Et Josué. Took the stones. A pris les pierres. And he made them the knives. Et en a fait des couteaux de pierre. And said. Et dira. All the boys, tous les hommes, les mâles, 40 years and under, depuis 40 ans jusqu'en bas, come here, venez ici, with a knife avec, of stone, avec un couteau de pierre, take off, allez, enlevez, he pull, il a pris, circoncision, next, le suivant, brother, all the boys born in the wilderness. Tous les garçons nés dans le désert. And this is the problem we have today. Et ça c'est le problème que nous avons. Even in the message. Même dans le message. We have to come to the second circumcision. Nous devons arriver à la deuxième circoncision. Before we get to the promised land, avant que nous puissions atteindre la terre promise, before we go into rapture, avant d'aller dans l'enlèvement, Joshua, Josué, take the knife. Prenez le couteau. And don't look at the circumstances of the knife. Ne regardez pas les circonstances du couteau. Oh, it's not sterilized. Oh non, ce n'est pas stérilisé. Oh, it will have infection. Oh non, il y aura de l'infection. Infection, no infection. L'infection ou pas. The same God who protect us in the wilderness. Le même Dieu qui nous a protégés au courant du désert. He's gonna protect us. Va nous protéger. Take the knife. Prenez le couteau. Cut everyone. Coupez tout le monde. Because parce que it was a surplus of flesh. Parce que il y avait un surplus de la chair. If you are not circumcised, parce que si vous n'êtes pas circoncis, you are not a child of Abraham. Vous n'êtes pas un enfant d'Abraham. Therefore, you cannot possess the land. Alors vous ne pouvez pas posséder le pays. Do we understand the purpose of the Holy Ghost? Comprenons-nous le but du Saint-Esprit? It's the real circumcision. C'est la vraie circoncision. When Joshua was circumcising them, quand Josué était en train de les circoncire, no anesthesia. Il n'y avait pas d'anesthésie. It was hurting. Ça faisait mal. To get to the baptism of the Holy Ghost. Pour atteindre le baptême du Saint-Esprit. Brother, don't you think you will get to the baptism of the Holy Ghost enjoying? Et frère, ne pensez pas que vous allez atteindre le baptême du Saint-Esprit juste en train de vous réjouir. It's gonna hurt. Cela va faire mal.
It's gonna hurt. Cela va faire mal. And you will notice, et vous allez remarquer, as soon as you are getting closer, aussitôt que vous vous rapprochez, there will be some obstacles. Il y aura des obstacles. If you don't pay attention, si vous ne tirez pas attention, vous allez vous retourner. But I'm telling you, go forward. Mais je vous demande de pouvoir It's aller de l'avant. Blessing, et c'est une bénédiction above any other blessing. Au-delà de toute autre bénédiction. The baptism of the Holy Ghost, le baptême du Saint-Esprit, c'est un devoir. It's gonna hurt. Cela va faire mal. But mais you have to go through. Vous devrez y traverser. Ah, Joshua! Oh Josué! Ah, oh Josué! Ah! Ah Josué! Knife of stone. Et le couteau de pierre. You know. Vous savez. Maybe the little ones. Peut-être le plus jeune. Ah, they maybe suffer a little bit. Peut-être souffrirait un imagine petit peu. Imagine if 39 years old. Mais se pensez-y à une personne de 39 ans. Ouf. All the skin strong. Tout avec toute la force. All the vessels. Tous les ustensiles. All the things. Toutes ces choses. Old. Des vieux. But Joshua. Mais Josué. Without mercy. Sans miséricorde. Because he saw something. Parce qu'il a vu quelque chose. He cut everything. Il a coupé he tout. He cut everything. Il a coupé tout. And say. Et dira. Go now rest. Et dit allez maintenant reposez-vous. Peut-être 3-4 ou une semaine. It's gonna dry up. Et cela va sécher. And as soon as it dry up. Aussitôt que cela a séché. Let's go to the war. Et dit allons maintenant au combat. Because the circumcision. Parce que la circoncision is for you to go to fight. C'est pour que vous allez combattre. The baptism of the Holy Ghost le baptême du Saint-Esprit is for you to go fight. C'est pour que vous allez combattre. And look at the way they fought. Et regardez comment est-ce qu'ils ont combattu. The first obstacle le premier obstacle was Jericho. C'était Jéricho. Brother, frère, being circumcised, étant circoncis, Jericho was a small thing. Jéricho était une petite chose. They came. Ils sont venus. How are we going to possess Jericho? Comment est-ce que nous allons posséder Jéricho? Oh brother, take the missiles. Oh non frère, prenons le missile. Take this. Prenons ceci. Take this. Prenons cela. Take this gun. Prenons cette arme. God said. Dieu dit. This fight. Il dit ce combat. Is not yours. N'est pas votre. Is mine. Elle est mienne. The only thing you have to go to do. La seule chose que vous devrez faire. Go to Jericho. Aller à Jéricho. All together. Tous ensemble. Walk around the wall. Aller marcher tout autour du mur. Every day. Tout le jour. Wake up in the morning. Levez-vous le matin. Turn. Contournez one time une fois and go back to your camp. Et rentrez dans votre camp. The second day, deuxième jour, third day, troisième, fourth day, quatrième, fifth day, cinquième, sixth day, sixième, and on the seventh day, mais au septième jour, he said, il dira, this is the last church ceci age. Ceci est le dernier âge de l'Église. Do around seven times. Contournez la muraille sept fois. And after they did it, après qu'ils aient fait cela, and the Bible said, la Bible dit, Jericho, Jericho was buckled. Et a été branlé. Jericho was completely covered. Jericho était complètement entouré. With a big walls. Avec un grand mur. And no bullet was shot. Mais aucune balle n'a été tirée. Brother, mais frère, just follow the leadership. Mais suivez juste la conduite. The battle is not yours. Le combat n'est pas votre. There is no bullet to fire. Il n'y a pas de balle à tirer. God is the one who's going to take care of the rest. Dieu, c'est Dieu qui va prendre soin du reste. He will tell you exactly what you need to do. Il va vous dire exactement ce que vous êtes and censé faire. And that's the reason why the Holy Ghost is for. C'est la raison pour laquelle le Saint-Esprit a été so donné. So as they were circumcised. Et comme ils étaient circoncis. So God was the solution. Et Dieu était la solution. Say, turn around. Il dit allez autour, contournez la muraille. Contournez la muraille, frère. Which war are you gonna win today? Quel combat vous allez remporter aujourd'hui? By turning the wall 13 times. Juste en tournant le mur 13 fois. And the wall went down. Et la muraille est tombée. They took Jericho. Et ils ont remporté Jericho. No bullet fire. Il n'y avait pas de balles tirées. What was the secret? Et c'était quoi le secret? Circoncision. La circoncision. Today the wall is not falling. Aujourd'hui la muraille ne tombe pas. Because of uncircumcision. À cause de l'incirconcision. They got Jericho. Ils ont saisi Jericho. And tomorrow. Et le jour suivant. They want to go to the next obstacle. Ils veulent aller à l'obstacle suivant. I think AI. Je crois que c'était AI.
They went there. Ils sont arrivés là. They had confidence. Ils avaient la confiance. We got circumcised. Nous sommes circoncis. We can possess everything. Nous avons possédé toutes choses. Don't let God become common to you. Ne laissez pas que vous puissiez vous habituer à Dieu. Oh, I did a sin. Oh non, j'ai fait ceci. And nothing happened. Et rien n'est arrivé. Then I'm gonna continue on the same Et sin. Je vais continuer sur le même péché. Digging on. En train de creuser. And where is God? Oh, où est Dieu? God remains God. Dieu demeure Dieu. So Israel tried to forget that. Et Israël a essayé d'oublier cela. They went to war. Ils sont partis en guerre. And they saw people killed among them. Et ils ont vu des gens être tués parmi eux. Why? Pourquoi? Achan. Achan. He stole the mantle of Shinear. Il est parti voler le manteau de Shinear. And he hid it somewhere. Et il l'a caché quelque part. Branham said. Branham a dit. Unconfessed sins. Les péchés inconfessés. Of you believers. De vous croyants. Can cause the church to bitterly fail. Peut amener l'église à pouvoir échouer amèrement. It was innocent people that were C'était killed. Des personnes innocentes qui étaient tuées. But somebody. Mais quelqu'un. In the group. Dans le groupe. Did that. A fait cela. And he pretended like he have nothing. Et il prétendait comme s'il n'arrivait rien. When they ask who did it. Quand on lui pose la question qui a fait cela. Achan. Achan. He points to this. Il pointe là-bas. Point to this. Il pointe là-bas. Point il pointe là-bas. And Joshua said. Et Josué dit. Situation like this. Une situation comme celui-ci. God promised us a victory. Dieu nous a promis la victoire. Why among us some people are not healed? Pourquoi parmi nous certaines personnes ne sont pas guéries? Why we have a problem among us? Pourquoi est-ce que nous avons des problèmes parmi nous? Brother. Instead of fighting one another, frère, au lieu de se battre les uns les autres, let's schedule a general feast. Alors, organisons une fête générale. Oh, I'm sorry. A general fast, rather. Plutôt un jeûne général. That's what the church is supposed to do today. C'est ce que l'Église est censée faire aujourd'hui. Brother, let's go to a general fast. Frère, allons à un jeûne général. See if that God who made the promise is not the same. Et voyez si c'est Dieu là qui fait la promesse n'est pas le même. Brother, frère, yourself, vous-même, would you confess? Est-ce que vous pouvez confesser? Not being caught, n'étant pas attrapé. When they catch you, quand on vous attrape, and you are gonna confess, et puis vous allez confesser, it's not as efficient. Ce n'est pas aussi si efficace. Look around. Regardez autour. Ah, this situation. Cette situation. Maybe I know something. Peut-être je connais quelque chose. Let me go fix it. Laissez-moi aller arranger Let cela. Let me fix it. Laissez-moi aller arranger Every cela. Every sin must be brought under the blood. Tout péché doit être apporté sous le sang. And there is no other formula. Et il n'y a pas d'autre formule. You may think that I am okay. Vous pouvez penser que non, ça vous va. There is no formula. Mais il n'y a pas de formule. A sin is a sin. Un péché est un péché. And Branham has given us a formula. Et Branham nous a donné la formule. We cannot hide it behind and start talking another language. On peut pas garder cela derrière et commencer à parler un autre langage. They caught Achan. Ils ont attrapé Achan. But in the meantime, mais à l'entretemps, innocent people, des personnes innocentes, already dead, déjà mortes. God remained God. Dieu demeure Dieu. As they continue to fight, et comme ils continuent à se battre, one of the fights I think before Gabaon, je crois un des combats avant Gabaon, as they attack the enemy, et quand ils ont attaqué l'ennemi, they push the enemy to the end, ils ont amené l'ennemi à la and fin, the night was setting, et la nuit s'est couchée, and Joshua said, et Josué what dit, shall I do? Et dit quoi que devrais-je if faire? I wait until tomorrow, si j'attends jusqu'à the demain, enemy is gonna recoup, et que non, l'ennemi va se récupérer, and they may come strong, et ils peuvent revenir encore plus fort. Sister, frère et soeur, when you are in the line of duty, frère, quand vous êtes sur votre ligne de devoir, you are praying, vous priez. Sometimes you feel a certain anointing. Parfois vous sentez une certaine onction. Don't you cut it off? Ne coupez pas cela. Because people are going home. Parce que les gens doivent aller Don't à la you maison. Go home. N'allez pas à la maison. If it will take you, si ça va vous demander, to close the door, de fermer la porte, let everybody go, laissez tout le monde and partir, spend the night, et passer la nuit, finish the enemy, de pouvoir finir Please avec l'ennemi, faites-le. But those things, mais ces choses, they don't exist. Ils n'existent pas. We become in a formal type of religion. Nous devenons avec une religion formelle.
You may be interceding maybe for somebody. Vous pouvez peut-être intercéder pour une personne. And you know the best intercession. Et vous savez la meilleure intercession. It's not for the people who do good to you. Ce n'est pas pour les personnes qui vous font du bien. But maybe somebody will make you suffer a little bit. Ou peut-être c'est pour une personne qui vous fait souffrir un tout petit peu. And I believe even as a parent. Et je crois même que comme parent. You will have at least one child. Vous aurez au moins un enfant. Even two. Même deux. If you have many. Si vous en avez plusieurs. Who will always bring you to your knees. Ou qui vous amène toujours à genoux. It must be. Ça doit être. Branham has gone through a lot even with Billy Paul. A traversé beaucoup même avec Billy Paul. But the prayer, mais la prière, your suffering, vos souffrances, is gonna produce something. Va produire quelque you have chose. To believe it, vous devrez croire and cela. It's your right. Et c'est votre droit. You have to claim it. Vous devrez réclamer never cela. Give up. N'abandonnez jamais. Because of the symptoms. À cause des symptômes. It's not the present. Ce n'est pas le présent. It's the end that we are looking at. Mais c'est la fin auquel vous regardez. So Joshua, alors Josué, in that condition, dans cette condition, he said, dira, I'm not gonna let them go. Je ne vais pas les laisser what partir. To do now? Qu'est-ce que je it's dois faire? Getting dark. C'est, il commence à faire nuit. Joshua, Josué, sun, ce soleil, stand still. Arrête-toi. I have to finish the enemy. Je dois finir avec l'ennemi. Brother, sister, frère et sœur, when have you spent all night in prayer? Quand est-ce que vous avez passé toute la nuit en prière, vous? That means you don't have a problem. Cela veut dire que vous n'avez pas de problème. Let me tell you, laissez-moi vous dire. If you don't have any problem, si vous n'avez pas de problème, just pray for me. Juste priez brother pour Faustin, moi. Frère Faustin. Lord, brother Faustin. Lord, brother Faustin. Seigneur, frère Lord, Faustin. Faustin. Seigneur, frère until Faustin. The morning, jusqu'au and matin, go, et puis God aller, is gonna bless you. Et Dieu va vous bénir. The time is critical. Le temps est critique. We need to get to the promised land. Nous avons besoin d'atteindre la terre promise. And today, et aujourd'hui, the bride, l'épouse, the church, l'église, Branham said, Branham a dit, the day, le jour, the church will recognize l'église its position, reconnaîtra sa position. The rapture is gonna take place. L'enlèvement aura lieu. The rapture, l'enlèvement, is being delayed, est retardé, because, à cause. Of our positions. À cause de nos positions. Brother, frère, the thing is, la chose est, you cannot, vous ne pouvez pas, convince everybody, convaincre tout le monde, to see the way you see, de voir la manière dont vous vous voyez. It will never and never happen. Ça ne va jamais, jamais arriver. The best thing to do, la meilleure chose à mind faire, your problem. Et dire, concentrez-vous sur vos problèmes. What else is left? Tout ce what qui reste, else is left? Tout ce qui reste, and God is gonna bless you. Et Dieu va vous bénir. And that's what is gonna take the c'est church. Ce qui va amener l'église. But today. Mais aujourd'hui, church, cette église, doctrine, avec telle doctrine, church, avec cette église, church, avec cette église, that, ah, ils prêchent ceci, moi, laissez-moi prêcher ceci. Ils vous ont dit ceci, laissez-moi aller répondre. Vous êtes en train de perdre votre temps dans le désert. Vous avez une cible, vous avez un objectif, allez de l'avant, recherchez le Saint-Esprit, et Dieu va vous bénir. Alléluia. Oubliez toutes ces choses. God will never justify you. Dieu ne va jamais vous justifier. Because it's the fault of your wife. Oh, parce que c'est la faute or de votre femme. Of my husband. Oh non, c'est la faute or de mon mari. Fault of the pastor. Oh non, c'est no. la faute du pasteur. You non. Fight. Vous combattez. Be on the front line. Soyez en avant. Alléluia. Alléluia. Fight for it. Allez combattre possess pour cela. The land. Allez posséder le pays. Amen. Amen. And if you want to have a victory. Et si vous voulez avoir la victoire. Listen to this. Écoutez ceci. In the message, dans le message, questions and answers. Questions et réponses. Oh, I'm sorry, I go out of my order. Oh, je suis désolé, je vais hors de mon ordre. I'm probably the quote before the last. L'avant-dernière citation. In the question and answer. Question et réponse. Paragraph 175. Paragraphe 175. Many read back in Deuteronomy 1 there. Et combien ont lu là dans Deutéronomie 1 là-bas? Where the spies là où le went esprit, right in there. Ils sont entrés là-bas. And tasted of the things of Canaan. Et ils ont testé les choses de Canaan. Which Canaan is not a type of the millennium. Ce qui est Canaan n'est pas le type du millennium. No. Non. Canaan is not a type of the millennium. Canaan n'est pas le type du millennium. In Canaan. En Canaan. They were fighting. Ils étaient en train de combattre. As soon as they got circumcised. Aussitôt qu'ils étaient circoncis. There was the obstacle of Jericho. Il y avait l'obstacle de Jéricho. And from Jericho. Et de Jéricho. War after war. Il y avait combat après combat. War after war. Combat après war combat. War after war. Combat après combat. Amen. Amen.
Listen to this. Écoutez ceci. Canaan is not Canaan n'est pas le type du millennium. How many knows that? Combien connaissent cela? You mean? Vous voulez dire? Just one hand? Juste une seule main. Juni? Ah, that it was Brother Branham. Là, c'était Frère Branham. It was Brother Branham was bringing the revelations. Et Frère Branham est en train d'apporter la révélation. That's right. C'est correct. Canaan is not the type of the millennium. Canaan n'est pas le type du millennium. Because they had wars. Parce qu'ils avaient des combats. Fightings. Des guerres. Killings. Des tueries. And everything else in Canaan. Et toute autre chose en Canaan. Type of the holy. C'est le type du saint. Canaan is a type of the Holy Ghost. Et le type du Saint-Esprit. Amen. Amen. Coming into the promised land. Arrivant à la terre promise. For the children of Israel. Pour les enfants d'Israël. It was a Palestine. C'était la Palestine. But for you and mais I, pour vous et moi, the promised land, la terre promise. The purpose why le but pour God lequel took you out of Egypt Dieu vous a sorti de l'Égypte. Was to give you the Holy Ghost. C'était pour vous donner le Saint-Esprit. God did not take you out of the world. Dieu ne vous a pas sorti du monde. For you to die in the pew. Pour que vous puissiez mourir dans le banc. To stay in the wilderness. De rester dans le désert. Fighting one another. En train de se battre les uns les autres. Non. The time of the fight must be behind. Le temps de se battre doit être en arrière. This is the time of the Holy Ghost. Ça ceci est le temps type du Saint-Esprit. This is your promised land. Ça c'est votre terre promise. Canaan is the Holy Ghost. Et le Saint-Esprit. Now. Maintenant. Why God give you the Holy Ghost? Pourquoi est-ce que Dieu vous a donné le Saint-Esprit? As to give them the promised land. Et comme il les a donné le Saint-Esprit, la terre promise. Before. Avant. The land be divided. Avant que la terre ne soit divisée. Manasseh, your land, your portion is here. Manasseh, ceci est ta portion. Ephraim, this is yours. Ephraim, voici ta portion. God, this is yours. Garde, voici le tien. Before you take gift. Avant que vous puissiez avoir le don. Before you take gift. Avant d'avoir le don. You must be circumcised. Vous devrez être circoncis. But today, mais aujourd'hui, we have a bunch of people. Nous avons un tas de gens in different churches, dans différentes églises, acting, en train d'agir, operating, en train d'opérer, but under, mais dans en bas, no circumcision. Sans circoncision. This is the trouble. Ceci est le trouble. No circumcision. Le sans circoncision of the heart. Du cœur. You know Jesus said. Vous savez Jésus dit. It was said. Il a été dit. Commit not adultery. Il dit ne commets pas adultère. But I want you to get this. Mais frère, je veux que vous saisissiez ceci. And this is the bottom line. Ceci est la chose principale. And this is no argument. Ceci n'a pas d'argument. It's your own. C'est le vôtre. That Jesus said. Que Jésus dit. It was written. Il a été écrit. Commit not adultery. Tu ne commettras pas d'adultère. But I'm telling you. Mais je vous dis. Whosoever. Quiconque. Look at a woman. Regarde une femme. And last upon. Qu'on voit a déjà commis adultère et aucun adultère n'entrera dans le royaume. Brother, can you do it by yourself? Et frère, est-ce que vous pouvez le faire de vous-même? You know the answer yourself. Vous connaissez la réponse vous-même. You are wearing black glasses. Vous êtes en train de porter des lunettes noires. When people are praying. Quand les gens prient. But unfortunately, she's already married. Mais malheureusement, elle est déjà mariée. That one, also married. Brother, the solution. La solution. Circumcision. La circoncision. Your last. Votre convoitise. Coming from your eyes. Ça vient de vos yeux. Brother, frère, based on that scripture. Basé sur cette écriture. Brother, don't you think that everybody is going to enter? Frère, ne pensez pas que non tout le monde entrera. This is the time. Ceci est le temps. You need the real Holy Ghost. Que vous avez besoin du vrai Saint-Esprit. Spend your time. Passez votre temps. On the altar, à l'autel, until jusqu'à ce que you look at every woman, vous regardez toutes les femmes. That's my sister. Ça c'est ma sœur. The same way, de même, you look at your daughter. Vous regardez vos filles. And type everybody your sister, your daughters. Et vous regardez tout le monde comme vos sœurs et vos filles. That one. Ceci, celle-là. The way she dressed. La manière dont elle s'habille. Pornography on the rise. La pornographie à la montée. And you know some sexual acts. Et vous savez certains actes sexuels. It's not just the physical. Ce n'est pas toujours physique. It's on the telephone. C'est aussi au téléphone.
They set you on a line. On vous met sur un and appel. They tell you stuff. On vous raconte des histoires. Baby, bébé, I miss you. Je te manque, you tu feel me manques, good. Et tu te sens brother, bien. If you are not circumcised, frère, si vous n'êtes pas circoncis, in your life, dans votre vie, you will be just around women. Vous serez toujours autour des femmes. Que Dieu bénisse. It's been a while. A long conversation. No point you are looking for. Il n'y a pas de point que vous recherchez. You are satisfying a lust. Vous êtes en train juste de satisfaire une convoitise. But get rid of that. Mais d'épargnez-vous de cela. To look for the Holy Ghost. Pour rechercher le Saint-Esprit. Same thing with the sisters. De même aussi avec les sœurs. But the circumcision. Frère, la circoncision. I think that's the key. C'est cela la clé. If you can, where you are. Et si vous pouvez, là où vous êtes. Raise your hand. Levez votre main. And say, brother. Et dire, frère. I know. Je sais. What happened in my life. Ce qui est arrivé dans ma vie. I used to also. J'avais aussi l'habitude. I used to. J'avais aussi l'habitude. But some point. Mais à un certain niveau. Brother. Frère. I'm a witness. Je suis un témoin. It's gone. C'est parti. And I know. Et je sais. This message. Que ce message. Is the truth. Est la vérité. I have been changed. J'ai été changé. But I don't play a church game. Frère, ne jouez pas le jeu d'église. Oh, let's go. There is that's not the purpose. Oh non, pardon, ça c'est pas le but. Where was it? Et où j'étais où? Egypt is the world that they came out of. Égypte, c'est le monde dans lequel ils sont sortis. Wilderness is where they were sanctified. Le désert, c'est là où ils étaient sanctifiés. Called out church. L'église qui est appelée à sortir. Canaan is where they settled down. Et Canaan, c'est là où ils se sont établis. With the Holy Spirit. Avec le Saint-Esprit. See? Voyez. See? Voyez. Cause? Parce que. They still had war. Parce qu'ils avaient toujours des guerres. And listen to this. Écoutez ceci. And if you don't believe you have wars, et si vous ne croyez pas que vous avez des guerres, just get the Holy Ghost once. Juste recevez le Saint-Esprit une fois. Amen. Amen. The real fight. Le vrai combat. Just get the Holy Ghost. Recevez seulement le Saint-Esprit. Brother, you will not understand. Frère, vous n'allez pas comprendre. This will happen. Ceci va arriver. Why this happened? Pourquoi ceci est arrivé? Look at this. Écoutez ceci. Look at this again. Écoutez ceci. And they say this. Est-ce qu'on a they dit ceci? Did this. On a fait oh, cela. This happened. Ceci est arrivé. Oh, this happened. Ceci est arrivé. Oh, Lord. Oh Seigneur. But. Mais. You are gonna possess. Vous allez posséder. Amen. You are gonna possess. Vous allez posséder. Every enemy. Chaque ennemi. Tell them. Dites-le. Don't waste your time to fight me. Ne perdez pas votre temps à me combattre. Because. Parce que. It's already decided. Cela a été déjà décidé. When I receive the Holy Ghost. Quand je reçois le Saint-Esprit. That I will have the victory. Que j'aurai la victoire. Do whatever you want. Faites tout ce que vous voulez. Spill on me. Et dites, crachez sur moi. I will still love you. Je vais toujours vous que vous aimez. I will forgive you. Je vais vous pardonner. Because parce que it's Christ living in you. C'est Christ qui vit en and vous. Brother, this is where we need to come. Frère, c'est là où nous voulons arriver. This is the purpose of this message. Ceci est le nothing but de else. Ce message. Rien it's d'autre. Not intellectual faith. Ce n'est pas une foi intellectuelle de pouvoir remplir la tête avec un temps de connaissance sans la vie. Amen. Yes, sir. Come with your skin. Venez avec votre and stand the circumcision peau, first. Et puis faites face à la circoncision premièrement. Then you will understand what this message is all about. Et vous allez comprendre c'est à quoi est-ce que ce message est. If you want a real fight, si vous avez besoin d'un vrai combat, Branham a dit, get ye first the Holy Ghost. Il dit recevez premièrement le Saint-Esprit. And you will see. Et vous verrez. So the Holy Ghost et le Saint-Esprit is given to the believer. A été donné aux croyants. Like the promised land, comme la terre promise, was given to Israel, a été donné à Israël. They will have obstacles. Ils auront des obstacles. They will face Jericho. Ils vont faire face à Jéricho. They will face Gabaon. Ils vont faire face they à Gabaon. Face all this land. Ils vont faire face à but tous ces pays. Promises, mais la promesse, you are gonna possess. Vous allez posséder. Who got the promise? Vous allez not dire, me, pas qui a la promesse pour vous, Abraham, mais mon père Abraham. Where I'm the seed of, et aussi avec toute la semence to him, et Dieu l'a promis. My people, que mon peuple sojourn, et va séjourner dans une terre étrangère, mais par la main puissante, je vais le sortir les amener dans la terre promise. Ceci, c'est là où est votre héritage. Est-ce que vous comprenez cela, Église? Do you understand that church? Le but du Saint-Esprit. The purpose of the Holy Spirit. Sans le Saint-Esprit, without the Holy Spirit, vous ne pouvez rien. You cannot do anything.
You are going to cheat to get in the promised land. Vous allez tricher pour entrer dans la terre promise. You are going to die like Achan. Vous allez mourir comme Achan. Sorry. Thank you. The Holy Ghost. Le Saint-Esprit. Next paragraph. Paragraphe suivant. What are you doing? Que faites-vous? What do they do in Canaan? Qu'est-ce qu'ils ont fait en Canaan? Hallelujah! Hallelujah! What do we do with the Holy Ghost? Qu'est-ce que nous faisons avec le Saint-Esprit? They were possessing their rights. Ils étaient en train de posséder leurs droits, gloire. Amen. Amen. They were possessing the right. Ils possédaient leurs droits. They could not possess the right. Ils ne pouvaient pas posséder leurs droits. Till they got into Canaan. Jusqu'à ce qu'ils soient entrés en Canaan. All in the wilderness. Et tout dans le désert. They were pilgrims. Ils étaient tous des pèlerins. Looking for a city to come. Recherchant une cité à venir. But man, when they got to cross the Jordan, et quand ils ont traversé le Jourdain, they got the circumcision. Ils ont reçu la circoncision. They got the land. Ils ont eu de posséder le pays. This is their right. Et c'est là leur droit. And we have to possess it. Et nous devons le posséder. Every enemy you fight. Et chaque ennemi que vous combattez. You find rather. Et que vous trouvez plutôt. You have to kick him out. Vous devrez le chasser. Oh, cigarette. Oh, la cigarette dehors. Oh, this. Kick it out. Sortez cela. Frère. It's a promise. C'est une promesse. That God give to you. Que Dieu vous a donné. Naked woman. Une femme nue. You are gonna overcome. Vous allez les vaincre. It's not a new story. Ce n'est pas une chose nouvelle. In the Bible. Dans la Bible. There were people called saints. Il y avait des gens qui étaient appelés saints. Saints, les saints are not those in the grave. Ce n'est pas ceux-là qui sont dans des tombes. Are the people who have received. Mais ce sont des gens qui ont reçu. God in the heart. Et Dieu dans le cœur. And they have to go possess. Et ils devraient les posséder. They are going to possess. Ils devraient posséder. Naked women. Des femmes nues. Brother. Frère. They can come. Ils peuvent venir. Oh, I love you. Je vous aime, je veux. Est-ce que tu peux me dire? With the Holy Ghost. Avec le Saint-Esprit. I have no time even to listen. Je n'ai même pas le temps d'écouter. Joseph in the Bible. Joseph dans la Bible. Potiphar's wife. La femme de Potiphar. Oh, Joseph. 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 You know. Je sais. Until. Jusqu'à ce que. Brother, they are going to push you. Jusqu'à ce qu'ils vont vous bousculer. With the Holy Ghost. Avec le Saint-Esprit. The Holy Ghost is going to show you the danger before it happens. Le Saint-Esprit va vous montrer les dangers avant que ça arrive. Not just being light. Juste pas étant léger. Sérieux? Sister. Now you have to do. I'll come and eat some cassava leaves. And then. Et puis. The husband is not home. Et le mari n'est pas à la maison. You come. Et vous venez. I would have been asked. You just left. Ah. Mm-hmm. You just do me something when quickly. When she turned. Quand elle to tourne, go to the kitchen. Pour entrer dans la cuisine. It's a shame. C'est une honte. We are the representative of Christ on nous this sommes le représentant de Christ. Amen. Amen. When she came to take it, quand elle vient pour pouvoir prendre le manteau, Joseph. Brother, a man is a man. Frère, un homme, c'est un homme. Amen. How a woman can take you down? Comment est-ce qu'une femme peut vous mettre à terre? Oh, you know. Vous savez. That woman raped me. Oh non, cette femme m'a violé. Do you think I'm gonna believe it? Vous pensez que je vais le croire? Joseph, he threw the coat. Even if it cost him a prison, Amen. God had a purpose. Un but. Shame today. C'est une honte aujourd'hui. Everywhere is everywhere. Partout c'est partout. It's become like a tradition. Ça devient comme une tradition. People falling with women in les the church. Gens sont en train de tomber avec les femmes à l'église. The pastors, les pasteurs, taking their believers, prenant leurs croyants. You are, how do they say? Comment you on are dit? In a position of trust. Vous êtes dans une position de confiance. You are in a position of trust. Vous êtes dans une position de confiance. Even if a prostitute come, même si une prostituée venait, lead that prostitute to Christ. Conduisez cette prostituée à Christ. But, frère, today, aujourd'hui. The ministers, les ministres, who are not with women stories, qui n'ont pas des histoires de femmes, maybe the old generation, peut-être c'est la vieille génération, all the new generation in the wilderness, toute la nouvelle génération dans le désert,
That one fall on the tree. C'est lui that c'est one tombé, fall on the couch. C'est that celui là-bas s'est tombé sur le. It's even becoming a shame. Et ça devient même une honte. That's the reason why we need the Holy Ghost. Ça c'est la raison pour laquelle nous avons besoin du Saint-Esprit. And we have got right. Et nous avons le droit. Listen to this. Et nous, je vais... When you receive the Holy Ghost, quand vous recevez le Saint-Esprit, you are in Canaan. Vous êtes en Canaan. Without the Holy Ghost, sans le Saint-Esprit, where are you? Où êtes-vous? Sister Julian. Sœur Julian. Listen to this. Écoutez ceci. You have to fight for it. Vous devrez combattre pour cela. Every inch of ground, you have to fight for it. Chaque centimètre de terre, vous devrez combattre pour cela. Yes, sir. Oui, monsieur. That's the reason people say. C'est la raison pour laquelle les gens disent. Brother Branham. Frère Branham. You pray for me today. Tu pries pour moi aujourd'hui. I get over into Canaan once. Et j'entre en Canaan une fois. Brother. Le frère. And you realize. Et tu réalises where you belong. Là où tu appartiens. Which prayer start think yonder now? Yes, sir. Et le veillée de prière commence à tourner maintenant. Oui, monsieur. He said. Il dit. Look here, Satan. Regarde ici, Satan. This is mine. Ceci est mien. I am possessor of this. Je suis le possesseur de ceci. God said so. Dieu a dit ainsi. Move out. Et il dit sortez. That's right. C'est correct. That's right. That's correct. Move off my ground. Et de quitter ma terre. Your ground. Votre terre. Satan says. Et Satan dit. I have got an abstract deed to it. J'ai un titre abstrait de cela. Titre de propriété incontestable. Amen. The abstract title deed. Le titre de propriété incontestable. It's like we are here. C'est comme nous sommes ici. After church. Après l'église. That's an example, Brother Branham. Ça c'est un exemple que Frère Branham dit. You go home. Vous allez à la maison. You find somebody. Vous trouvez quelqu'un. In your living room. Dans votre salon. Smoking. Un faisant en train de fumer. Brother, what are you going to say? Frère, qu'est-ce que vous allez dire? You are going to pray. Vous allez prier. Ah? Mm-hmm. You are gonna pray. Vous allez prier. Oh Lord. Oh Seigneur. I don't know how this man get in. Je ne sais pas comment ce monsieur est entré. Maybe it was Sammy who left the door open. Peut-être c'était Sammy qui a laissé la porte Let ouverte. Me go blame the child. Laissez-moi aller condamner l'enfant. Brother, there is no point to blame nobody. Le frère, il n'y a pas besoin de pouvoir condamner qui que ce soit. Even if the door was left open, même si la porte était laissée ouverte, the only thing I know, la seule chose que je sache, this is mine. Ceci est mien. I have to take possession. Et je dois prendre possession. And in taking possession, et en prenant possession, I'm not gonna negotiate with the devil. Je ne veux pas négocier avec le diable. Oh, brother, oh frère, you know, vous savez, there are many houses. Il y a beaucoup de maisons. I know my neighbor just moved out. Je sais que non, mon voisin venait juste de they sortir. They did not put anybody yet. Ils n'ont pas encore mis quelqu'un. If you like to go there, please. Si tu veux, tu peux aller là-bas, s'il te brother, plaît. We have no contract. Frère, nous n'avons pas de contrat. You have to know who you are. Vous devrez connaître qui vous êtes. And what is yours. Et c'est quoi, qu'est-ce qui est votre? You have to kick Satan out. Vous devrez sortir, chasser le diable. And that's the reason why. Et c'est la raison pour laquelle God gave you the Holy Ghost. Que Dieu vous a donné le Saint-Esprit. Why God gave the church the Holy Ghost? Pourquoi Dieu a donné l'église le Saint-Esprit? It's not to play. Ce n'est pas pour jouer. It's not to show how you speak in tongues. Ce n'est pas pour montrer comment vous parlez en langue. God gave you the Holy Ghost. Mais Dieu vous a donné le Saint-Esprit. To take possession. Pour pouvoir prendre possession. To recognize your position. Pour pouvoir reconnaître votre position. And when the church recognizes its position. Et quand l'église reconnaît sa position. Then the rapture is going to take place. Alors l'enlèvement aura lieu. Amen. Amen. Going back to the message adoption. Dans le message adoption. Part 1. Première partie. Paragraph 42. Paragraphe 42. Born in the wilderness. Né dans le désert. Full of problems. Plein de problèmes. You have to go to the second circumcision. Vous devrez aller à la deuxième circoncision. And not run away from the circumcision. Et personne ne pouvait fuir la circoncision. The circumcision is the key for your blessing. La circoncision est une des clés pour posséder. There was three stages of the journey. Il y avait trois étapes du voyage. And there is three stages
stages of this journey. Il y a trois étapes pour ce voyage. So, for the children of Israel, pour les enfants d'Israël, the first was leaving Egypt. Le premier, c'était de quitter l'Égypte. The second, le deuxième, wilderness. Le désert. And the third, et le troisième, it's the Canaan. Et c'est Canaan. So this spiritual journey also. Et le voyage spirituel aussi. Brother, you have to start by leaving Egypt. Frère, vous devrez commencer par quitter l'Égypte. To say goodbye world. Pour dire que non, au revoir le monde. I stay no longer with you. Il dit, je ne reste plus avec vous. I've made up my mind. J'ai dressé ma pensée. I'm gonna follow Christ. Je vais suivre Christ. Rain or sunshine. Qu'il pleuve ou qu'il y ait le soleil. Snow or sunshine. Qu'il neige ou qu'il y ait le soleil. I've made up my mind. J'ai pris ma pensée. But mais the fact that you made up your mind, le fait que vous avez pris cette décision, not a guarantee you are gonna get in ce Canaan. N'est pas une garantie que vous entrerez en Canaan. Look at them. Mais regardez-le. 2 millions. 2 millions. 2 millions. 2 millions. Only two. Seulement deux. But they all made up their mind. Peut-être ils avaient tous pris la décision. I mean your salvation. Cela veut dire que votre salut. Is not the fact you leave Egypt. Ce n'est pas le fait de pouvoir quitter l'Égypte. It's not the fact you are under the pillar of fire. Ce n'est pas le fait que vous êtes entré dans la colonne de feu. The pillar of fire. La colonne de feu. Is the guide. C'est celui qui conduit. To bring you to the Holy Ghost. Pour vous amener au Saint-Esprit. Brother, let me tell you this morning. Le frère, laissez-moi vous dire ici ce matin. Whatever is a hindrance for your life. Ce qui retient votre vie. You can overcome it. Vous pouvez le surmonter. And say today, et dire aujourd'hui, after he heard all of this, après que j'ai entendu tout ceci, God, you did not call me, Dieu, tu ne m'as pas appelé to die in the wilderness. Juste pour mourir dans le désert. My final destination, ma destination finale is Canaan. Et c'est Canaan. It's like you board on the plane, et c'est comme vous entrez dans l'avion, you are going to New York, et vous allez à New York, but you are gonna land in transit, mais vous allez descendre en transit in Chicago. À Chicago. If you walk out of the gate, si vous sortez de l'aéroport, you become a Chicagoan. Vous faites partie maintenant du Chicago. But you have to stay, mais vous devrez rester until the final destination. Jusqu'à la destination finale. Three stages. Trois étapes. Listen to Branham. Écoutez Branham. For we are justified by faith. Car nous sommes justifiés par la foi. Believing on the Lord Jesus Christ. Croyant dans le Seigneur Jésus Christ. Forsaking the land of Egypt. Abandonnant la terre d'Égypte. Come out. Sortant. And then, et puis, are sanctified, était sanctifié, through the offering of his blood, par l'offrande de son sang, washed from our sins, nettoyé de nos péchés. Yes, brother. Oui, frère. We have to be washed from our sins. Devons être nettoyés de nos péchés. You go see the Pentecost. Vous allez voir les pentecôtistes. They commit adultery. Ils commettent adultère. They go see the priest. Ils vont aller voir les prêtres. Forgive me. Pardonne-moi. I forgive you. Je vous pardonne. That's not. Ça, ce n'est pas. That sin will remain. Ce péché demeurera. Until you bring it under the blood. Jusqu'à ce que vous amenez cela sous le sang. Branham. Perfect example. L'exemple parfait. Just a small lie on the telephone. Juste un petit mensonge au téléphone. Until he brought it under the blood. Jusqu'à ce qu'il a porté cela sous le sang. Prosecutor. Il dit à vous défendre. I lied to you. Je vous ai menti. Would you forgive me? Il dit, pouvez-vous me pardonner? Otherwise, et autrement, a sin is never under the blood. Le péché n'est pas sous le sang. And the next step, et la prochaine étape, he went to the cave. Il est parti à la cave. That's our model. Ça, c'est là notre modèle. Brother, you want to get to Canaan? Frère, vous voulez atteindre Canaan? The Bible said. La Bible dit. Jesus Christ. Jésus Christ. The only way. Il est la seule voie. There is no substitute. Il n'y a pas de substitut. You can play with substitute. Vous pouvez jouer avec les substituts. Oh, Pastor, I did this. Oh, Pastor, je fais ceci. What shall I do? Qu'est-ce que je dois faire? If I si just offer some good dress to my wife. Si je donne seulement une belle robe à ma femme. It's not gonna work. Cela ne va pas marcher. Until. Jusqu'à ce que. You take your wife. Vous prenez votre or femme. Or you take your husband. Vous prenez votre brother, mari. It's frère, the truth. C'est la vérité. There is no way around. Il n'y a pas d'autre voie. You can eat communion. Vous pouvez prendre la communion. You can dance in spirit. Vous pouvez danser en esprit. You can do whatever you want. Vous pouvez faire tout ce que you vous voulez. You can blame whoso vous you want. Vous pouvez condamner qui que but vous voulez. Your mais heart, votre cœur. Where the circumcision has to be. Là où la circoncision where est censée. God need to dwell. Là où Dieu est censé there will demeurer. Be an
a condemnation. Il y aura toujours une condamnation. Brother, sister, frère et sœur, would you take that out of your heart? Voudriez-vous sortir cela de votre cœur? And let Christ come in. Et laisser Christ entrer. So this is the job that is done on the second stage. Et ça, c'est le travail qui est fait sur dans la deuxième étape. Offering of His blood. L'offrande de son sang. Washed from our sins. Nettoyé de nos péchés. And become pilgrims. Et devenant des pèlerins. And sojourners. Et des voyageurs. Claiming that we are seeking a land. Réclamant que nous sommes en train de rechercher une terre. A city that is coming. Une cité qui est à venir. Or a promise. Alors j'ai eu une promesse. Amen. Amen. So coming to paragraph 47. Paragraphe 47. So Ephesus. Éphèse. Here set us like Joshua. Nous place ici comme Josué. Positionally. Positionnement. You notice. Vous remarquez. Joshua. Josué. After crossing over the land. Après avoir traversé le pays. And taking the land. Et prendre pris le pays. Then he divided the land. Et après il a divisé le pays. The whole purpose. Le but entier. To possess the land. De pouvoir posséder le pays. Is to give each one his inheritance. C'est de pouvoir donner à chacun son héritage. Ephraim here. Ephraim ici. Your job. Votre travail. Will be. Sera. To raise corn. De pouvoir planter des maïs. Brother, the job we do. Frère, le travail que nous faisons. Must be given by the Holy Ghost. Doit être donné par le Saint-Esprit. Not what you choose to. Pas ce que vous choisissez de faire. Among us. Parmi nous. Who have chosen to be born a man. Qui a choisi d'être né un homme. Who has chosen to be born a woman? Qui a choisi d'être né une femme? That means from your birth. Cela veut dire que non de votre naissance. God knew the purpose. Dieu savait le but. If I am a woman, si je suis une femme, I must know. Je dois savoir that que one day, une fois, I'm gonna be somebody's husband, wife. Je serai la femme de quelqu'un. And in that, et en cela, the Holy Ghost is gonna teach you. Le Saint-Esprit va vous enseigner. What you are in Canaan. Qu'est-ce que vous êtes en Canaan? What to do? Quoi faire? It's not like I'm burning for sex. I'm gonna get married. Ce n'est pas que non, je suis en train de brûler du sexe et je veux me marier. Brother, if you have no, you are not circumcised. Frère, si vous n'êtes pas circoncis. Even if you get married. Même si vous vous mariez. That thing is. Cette chose demeurera. You get married with five wives. Vous vous mariez avec cinq. There is a pastor. Il y a un pasteur. He is marrying the 12. He has married the 12 wife now. Et il a marié maintenant la 12e femme maintenant. It's the last. C'est la convoitise. And they bring him tight of women. Et on l'amène les dîmes de femmes. You preach so hard. Vous prêchez si dur. Go get a sister. Allez, vous va prendre une sœur. Maybe when he dedicate baby girls. Peut-être quand il dédie les filles, les bébés. C'est one day. Et dans un jour. Ghana yotembe. You and I, we here. And you see a dad. Et vous voyez un papa. 60 years old. 60 ans. They do a ceremony. On fait cérémonie. Marrying a 18 years old. Et mariant une fille de 18 ans. Quel niveau d'incest? What kind of level of incest? Which level of lust? Mais c'est quel niveau de convoitise? Don't waste your time to argue with him on television. Ne perdez pas votre temps pour pouvoir d'argumenter avec lui sur la télévision. Where he said? Là où il dit. His first wife, Georgine. Il dit la première femme, Georgine. Sa femme. Il dit sa femme. Adassa. Adassa. Sa femme. Sa femme. He twisted the scripture. And then he you don't need know your marriage and divorce. Et si vous ne connaissez pas votre mariage et divorce. Tomorrow you will run away from the church. Demain vous allez courir de l'église. With a third wife. Avec une troisième femme. Or sa femme. Il dit que non, his wife. Sa femme. His wife. Et sa femme. His wife. He got even the audacity to go to Jeffersonville. Il a même l'audacité d'aller avec Jeffersonville. To go see Pastor Collins. D'aller voir le pasteur Collins. To tell him. Pour lui dire. You translate wrong marriage and divorce. Vous avez mal traduit le mariage et divorce. Collins is an American. Et Collins, c'est un Américain. The message was delivered in English. Le message a été délivré en What anglais. What he has to do with translation? Qu'est-ce qu'il a à voir avec la traduction? You are the one with trouble with translation. C'est toi qui as le trouble avec la traduction. Because you get it in French. Parce que vous l'avez saisi en français. Brother, frère, it's a shame. C'est une honte. Without the Holy Ghost. Sans le Saint-Esprit.
And Branham went on. Et Branham a continué. Manasseh here. Et Manasseh ici. And this one here. Et ici, celui-ci. God ici. Here. Et Dieu ici. Benjamin here. Benjamin ici. He divided the land. Il a divisé la terre. According to what the mother said in the birth pain. Selon ce que le maman disait dans leur douleur de l'enfantement. When the Hebrew mother were delivering. Quand le maman hébreuse est en train de donner naissance. Joshua was not there. Josué n'était pas là. Brother. Frère. But Joshua mais Josué was placing each one according to the predestination. Placer tout le monde selon leur prédestination. Brother, we have not to force positions. Frère, nous n'avons pas à pouvoir forcer ces choses. You are born woman. Vous êtes né femme. Praise God. Gloire à Dieu. You are born man. Vous êtes né homme. Praise God. Gloire à Dieu. The bottom line. Le point final. You are tall. Vous êtes géant. Praise God. Gloire à Dieu. You are short. Vous êtes court. Praise God. Gloire à in Dieu. In everything. Dans tout. God saw each one of us. Dieu a vu chacun d'entre nous. Before we came. Avant que nous soyons venus. You did not land somewhere by chance. Vous n'aviez pas atterri quelque part juste par chance. Maybe. Peut-être. God can use maybe somebody. Dieu peut utiliser quelqu'un. Maybe for a connection. Peut-être pour une connexion. But it's a divine connection. Mais c'est une connexion divine. To lead you for a purpose. Pour vous conduire pour un but. For a certain job somewhere. Pour un travail quelque part. And you have to have that revelation. Et vous devrez avoir cette révélation. That my position. Que ma position is. Et when the preacher preaches. Quand le prédicateur prêche. To bring the water. C'est d'apporter de l'eau. All these towers. Tous ces essuies. It's my job. C'est mon travail. Brother. Frère. Nobody is gonna give it. Que personne ne va le donner. But the Holy Ghost. Mais le Saint-Esprit. Is the one convincing c'est the people. Lui qui est en train de convaincre your les gens. Job. Votre travail. Is to look for the Holy Ghost. C'est de rechercher le Saint-Esprit. Say God, et dire Dieu, what do I need to do? Qu'est-ce que je suis censé faire? Not because somebody is doing this. Pas parce que quelqu'un fait ceci. You look, vous regardez. I want to do it. Je veux le faire. Maybe I will do better. Peut-être je ferai but mieux. Maybe when God saw it, peut-être quand Dieu a vu cela. You did not have his vision. Il n'avait vu, tu n'as pas sa vision. Paragraph 51. Paragraph 51. No, paragraph 50. Paragraph 50. How can God set some in a church? Comment est-ce que Dieu peut placer certains à l'église? Through their labor pains. Par leur douleur d'enfantement. Oh, they got tremendous sometimes. Oh, ils en avaient vraiment pendant un temps. When a church is groaning under the persecution of the outside world. Quand l'église est en train vraiment de grogner sous la persécution du monde the extérieur. The persecution from the outside. La persécution de l'extérieur. Is the thing that will set us in pressure. C'est la chose qui va nous mettre sous pression. The Holy Ghost. Le Saint-Esprit. As we are preaching, et comme nous sommes en train de prêcher, must put you under pressure, doit vous mettre sous pression, to go look for yourself, pour aller rechercher cela vous-même, to look for your experience, pour rechercher votre expérience. I'm not preaching the book and tape experience. Je ne prêche pas l'expérience des livres et des brochures. No, non, et des oh, ventes. Brother, I get it. Oh non, frère, je l'ai because eu. Parce que, say, et on a dit, if you believe the message, si vous croyez le message, which message you believe? Quel message que vous croyez? Until God accepts, jusqu'à ce que Dieu accepte, and confirm your faith, et confirme votre foi. Brother, God is still talking. Frère, Dieu continue à parler. God is still giving the Holy Ghost. Dieu continue à donner le Saint-Esprit. Amen. Amen. Believing on the Lord Jesus Christ. Croyant dans le Seigneur Jésus-Christ. That the promise of the Holy Ghost. Que la promesse du Saint-Esprit. Is just as real to us. Est aussi réelle pour nous. As it was to Pentecost. Comme il en était au Pentecôte. How they groaned. Comment est-ce qu'ils gémissaient. Alléluia. And cried. Et criaient. Under labor pain. Sous la douleur de l'enfantement. But when they are born. Et quand ils sont nés. And positionally born. Into the kingdom of God. Et quand ils sont positionnés dans le royaume de Dieu. Then the Holy Ghost. Alors le Saint-Esprit. Has set in the church. Et a établi l'église. Some apostles. Certains apôtres. Some prophets. Certains prophètes. Some teachers. Certains enseignants. Some pastors. Certains pasteurs. Some evangelists. Certains évangélistes. Then. Et alors. He has given into them. Et il a donné là-bas. Speaking with
with tongues, parler de parler en langue, interpretation of tongues, l'interprétation de langue, knowledge, la connaissance, wisdom, la sagesse, gift of healing, le don de guérison, miracles, tout genre de miracles. That the Holy Ghost, ça c'est le Saint-Esprit. After we cross Jordan, après qu'on traverse le Jourdain, we got circumcised. Et nous sommes circoncis. The problem, le problème, is many uncircumcised. C'est beaucoup d'incirconcis. Really uncircumcised. Vraiment incirconcis. The heart. Le cœur. But you know the desire. Vraiment, vous savez le désir. Is coming from heart. Vient du cœur. That's why he said. C'est pourquoi il dit. Circumcised of heart. Il dit la circoncision du cœur. In your heart. Dans votre cœur. There are ambitions. Il y a des ambitions. There are hatred. Il y a de la haine. There are jealousy. Il y a de la jalousie. Brother. Frère. You don't need to wipe those things out. Vous n'avez pas besoin d'essuyer ces choses. But you have to take them from the root. Mais vous devrez les déraciner. Like you have a swollen part. Et c'est comme vous avez une partie qui a gonflé. You have to poke it. Et vous devrez vraiment crever cela. And let all the spark going out. Et laisser toute la saleté sortir. You have to press it. It's hurting. Vous devrez presser cela, ça fait it's mal. Hurting. Mais let those roots of bitterness out. Et laissez toutes ces racines d'amertume sortir. As long as you keep them, aussi longtemps que vous les gardez, the Holy Ghost will never come. Le Saint-Esprit ne viendra oh, let jamais. Me tell you, oh, laissez-moi vous Branham dire, said, Branham a dit, he is just on the tree. Il est juste sur l'arbre. And he's looking to come back to et il est en train de rechercher à revenir. Would you open up? Et voudrez-vous ouvrir? And press that thing. Et de pouvoir presser cette chose. Press it out. Presser cela. It may come. Mais ça peut venir. With some dirty stuff. Ça peut sortir avec des saletés. Mix with blood. Et ça mélanger du sang. But if it's coming by itself. Mais si ça sort de soi-même. You just wipe it. Vous juste vous nettoyez. It will remain inside. Ça va rester à l'intérieur. That's the reason why. C'est la raison pour laquelle. God talks. Et Dieu parle. Back then, à ce temps-là, it was the circumcision of the flesh. C'était la circoncision de la chair. But today, mais aujourd'hui, it's the circumcision of the heart. C'est la circoncision du cœur. Create in me. Crée en moi. God promised to give you a new heart. Dieu a promis de vous donner un nouveau cœur. Do you know that sermon? Vous connaissez cette prédication. I will give you a new heart. Je vous donnerai un nouveau cœur. I will take that stony heart. Je vais ôter ce cœur de pierre. And give you a flexible, et fleshy heart. Vous donner un cœur flexible de chair. And that's what the message of Malachi 4 et is c'est doing. Ça, de ça que le message de Malachi, est. Where I was at? J'étais où? Paragraph 51. Paragraph 51. Where the church is. Là où l'église est. Now. Maintenant. This is my purpose. Ceci est mon but. Of doing this. On veut de faire ceci. The church is always trying to take somebody else's corner. L'église essaie toujours de prendre le coin de quelqu'un d'autre. But don't do that. Mais ne le faites pas. You can never raise corn in Ephraim's corner. Et vous ne pouvez pas grandir du maïs dans le coin d'Ephraïm. If you are Manasseh. Si vous êtes Manasseh. You have got to take your place in Christ. Vous devrez prendre votre place en Christ. You have to know your position. Vous devrez connaître votre position. If you are a minister. Si vous êtes un ministre. You have a position as a minister. Vous avez une position comme ministre. You are not a minister. Vous n'êtes pas ministre. Don't you take the position of a minister. Ne prenez pas la place d'un ministre. No. Non. Stay where you are. Demeurez là God où is vous gonna êtes. Bless you that Dieu way. Va vous bénir tel quel. That's really the adoption. C'est cela vraiment l'adoption. That's really the placing of the church. C'est cela vraiment le placement de l'église. That was the final purpose of God. Ça c'était le but final de Dieu. In the promise he gave to Abraham. Dans la promesse qu'il a donnée à Abraham. You see it in Genesis. Vous voyez cela dans la Genèse. God was not playing. Et Dieu ne jouait pas. When he was talking to Abraham, quand il parlait à Abraham, Abraham come here. Il dit Abraham viens ici. I will give you a nation. Et je vais te donner une nation. You. Toi. And your seed. Et ta semence. I will give it to you. Et je vais te le donner.
And then, et puis, that was it. C'était tout. But look at the unfolding. Mais regardez l'accomplissement. The children of Israel, les enfants d'Israël, they found themselves in Egypt. Ils se retrouvent dans l'Égypte. In Egypt, en Égypte, Abraham was not there. Abraham n'était pas là. It was Moses. C'était Moïse. Moses leading them. Moïse le conduisait. Before Pharaoh, devant Pharaon, all the things, toutes ces choses, leading them, les conduisant, guiding them, les conduisant, and doing all the things, et faisant toutes ces choses. But, mais, even down in Egypt. Même là en Égypte, alléluia. Down in Egypt, là en Égypte, brother, frère, in Egypt, en Égypte, the Egyptians, les Égyptiens, they notice, ils ont remarqué, those people of Israel, ces peuples d'Israël, they are becoming many, deviennent de plus en plus nombreux. We have to stop them. On doit les arrêter. Because there is a lot of population in the world. Il y avait beaucoup de la population, il y avait un surpeuplement de la population. And then, if we continue like this, et si on continue de la sorte, we will not have enough air to breathe. Nous n'aurons pas assez d'air pour pouvoir respirer. Let us create the corona. Alors créons le corona. And from the corona, et du corona, let us vaccinate them. Et vaccinons-le. And give them some pills. Et donnons-le de médicaments ou so de remèdes. So they cannot continue to multiply. Pour qu'ils ne puissent pas continuer à se multiplier. And look at the wise woman. Mais regardez la femme sage. When they see the woman coming to deliver babies. Quand ils voient la femme venant d'accoucher. And if it's a male. C'est un homme mâle. Kill him. De tuer-le. Brother, it's frère, not a new stuff. Ce n'est pas une chose nouvelle. It's not something new. Ce n'est pas quelque chose de nouvelle. Look at the pattern. Chose. Regardez le modèle. But those women said. Mais ces femmes disent. Non. Killing the baby. Tuer le bébé. No. They let the boy go. Ils ont laissé le bébé sortir. And the Egyptians became more. Et les Égyptiens devenaient de plus en plus nombreux. Ah. What to do next? Qu'est-ce faire d'autre? You know what? Vous savez quoi? Let us preach emancipation. Il dit prêchons l'émancipation. In every house. Dans chaque maison. They cannot live one with one income. Ils ne peuvent pas vivre avec un seul chèque. Let them make their wife go to work. Il dit que non, amenons la femme à travailler. Do you understand that? Vous comprenez cela? And give them more bricks. Et donnez-leur plus de briques. And then we will see Macassibos and another robot. And we'll see what strength they will have to go to give birth again. All the sisters bimba pake. And all the sisters had not biceps. Morty. They were just making bricks. 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 Brick. It was a birth control strategy. Et c'était une stratégie de contrôler la population. But out of those pressures, mais hors de toutes ces pressions, God allowed the pressure, Dieu a permis la pression, so that Israel, pour que Israël, back in Egypt, là en Égypte, they can remember, puissent se souvenir, the promise, la promesse. Oh God of Abraham, oh Dieu d'Abraham, that's why you the seed of Abraham. C'est pourquoi vous semence d'Abraham. When you pray, quand vous priez, brother, don't sister, don't pray like that. Sœur, ne priez pas à la légère. Always pray. De prier toujours. Oh, God of Abraham. Oh Dieu d'Abraham. Point God to the promise. Il a pointé à Dieu à la promesse. The promise he made to Abraham. La promesse qu'il a faite à Abraham. That his seed. Que sa semence. Which I am. Que je suis. I must possess. Je dois posséder. I must possess. Je dois posséder. And whatsoever obstacle. Et peu importe l'obstacle. In this morning. De ce matin. Before you. Avant vous. Brother, sister. Frère et sœur. You must possess. Vous devrez posséder. Are you ready to possess? Êtes-vous prêt à posséder? Are you ready to possess? Êtes-vous prêt à posséder? Let us stand on our feet. Alors tenons-nous debout. Accept. Acceptez. The circumcision. La circoncision. Amen. Amen. You have to possess it. Vous devrez posséder. It's at your reach. C'est à votre portée. That promise. Cette promesse. It was not for Abraham alone. C'était pas pour Abraham seul. It was for his seed. C'était pour sa postérité. And here you are. Et là vous êtes. Amen. Amen. Renew the
De mon cœur. Circumcise my heart, Lord. Si mon cœur, oh, Seigneur. If you don't circumcise me, si tu me circoncis pas, I'm not gonna go home. Je n'irai pas à la maison. Lord, circumcise me. Seigneur, circoncis-moi. Create a clean heart in me. Crée en moi un cœur pur. Lift up our voices together. Élevons nos voix ensemble. And claim. Réclamez. That possession. Cette possession. Claim that land. Réclamez cette terre. Lord. Oh Seigneur. This is where I belong. C'est là où j'appartiens. This is my final destination. C'est ma destination finale. Take me to the promised land. Amène-moi à la terre promise. Circumcise me this morning. Circoncis-moi ce matin. Circumcise my ears. Circoncis mes oreilles. Circumcise my eyes. Circoncis mes yeux. Circumcise my mouth. Circoncis ma bouche. Circumcise my lips. Circoncis mes lèvres. Circumcise my. Circoncis-moi. Let us cry out to the Lord. Crions à l'Éternel. To me, the joy of thy salvation, and renew the right spirit within me.
God, send your power right now. Seigneur, envoie ta puissance. Oh Lord, send your power just now. Oh Lord, send your power just now. Oh Lord, send your power just now. Empathize everyone. And we only have it to hold on, send your power just now. Hold on, send your power just now. Eyes closed, heart bow. Avec nos yeux fermés, nos têtes inclinées. Oui, précieux Seigneur Jésus-Christ. Yes, precious Lord Jesus Christ. Avec révérence dans ta présence, Seigneur. With reverence in your presence, Lord. Nous croyons, Père Céleste. We believe, Heavenly Father. Tu sondes chaque cœur. That you search every heart. Tu sais celui qui croit. You know who believes.
Envoie cette puissance, Père. Amen. Send your power. Nous sommes faibles. We are weak. Tu es fort. But thou art strong. Je me pose toujours la question, Seigneur. I always wonder. Qu'est-ce que Moïse avait fait? What Moses did. Bien qu'il savait qu'il devait sauver le peuple. As you know, he had to save the people. Mais quand il est allé par sa propre force. But when he went by himself. Il a échoué. He failed. Il a fui. He ran. Il s'est décidé de ne plus jamais le faire. And he decided not to do it. Il a même oublié. He even forgot. Mais qu'est-ce qu'il avait fait? But what did he do? Afin que toi-même. So that yourself. Tu apparaisses à lui par la colonne de feu. To appear to him by the pure fire. Oh Dieu. Oh God. Quand William Branham. When William Branham. Avant sa conversion. Before his conversion. Il était au milieu des païens. He was among the pagans. Tout le monde faisait n'importe quelle vie. Everybody was living kind of lives. Il a dit, moi aussi je vais le faire. He said, I will do the same. Mais quand il voulait le faire, but when he was about to do it, ce n'était ni par sa force, it wasn't not by his strength, ni par quoi que ce soit, not by anything. Mais c'était toi, Dieu. But it was you, God. Par la voix, tu as dit, hush. By the sweet voice. Ne bois pas, ne fume pas. Don't drink. Bien-aimé Seigneur, Lord Jesus, même Paul, even Paul, dans le mal, in sin, avec beaucoup d'écritures, with all the scriptures, beaucoup de théologie, all the theology, pensant servir Dieu, thinking to serve God, mais un jour, but one day, il s'est rendu compte, he realized, qu'il était dans la mauvaise foi, but he was in the wrong way. D'où est venue cette puissance? Where did that power come? C'est toi le Dieu réel. It was only you, God. Tu as dit, you said, cela ne dépend ni de celui qui veut. Doesn't depend on ni de celui wants, qui court, whoever runneth, mais de Dieu qui fait miséricorde. But the only God who cet après-midi, Jésus, this afternoon, après avoir entendu la parole, after hearing your words, nous nous étalons sur toi, le soleil de justice. We lay upon the Son of Righteousness. Envoie ta puissance, send Père. Your power, Father. Accomplis ta parole. Fulfill your word. Comme tu as dit, as you said, toi-même tu vas remplir ce cœur. That you fill this heart. Remplis-le, Seigneur. Fill it, Father. Dans le nom de Jésus-Christ. In Jesus Christ. Nous nous confions entre tes mains. We only rely on you. Tu connais nos faiblesses. You know our weaknesses. Tu vois si nous croyons ou pas. You know if we believe or not. Mais cet après-midi, this afternoon, nous voulons simplement te dire, we only want to tell you, que Père. Father, il n'y a rien que nous puissions recevoir dans ce monde. There's nothing we can receive from this world. C'est toi qui nous as amenés dans cette maison. You, the one who brought us in this house. C'est toi qui nous as envoyé ta parole. You sent us your word. Et nous sommes venus pour répondre à cela. We have come to respond to croire that word. De tout notre cœur. Believing with all our hearts. Père, ton serviteur a prêché. Father, your servant has preached. Comme un homme de Dieu. As a man of God. Prenant les écritures. Taking scriptures. Les types. Types. Ô Père, oh Father, 40 ans dans le désert, 40 years in alors que wilderness, pour quelques jours on pouvait atteindre Cana. Just in the 2 days they could have reached Canaan. Seigneur, mais quand le moment était arrivé, but when the time was there, tu as dit tourner vers le nord. You told them to turn et ils sont entrés à Cana. And then they went to Canaan. Maintenant, bien-aimé Jésus, now, Lord Father, ton prophète nous a dit, the prophet said, il n'y a qu'une seule personne qui peut nous remplir du Saint-Esprit. There's only one person that can fill qui us peut nous the donner Holy la Ghost, nouvelle naissance. Who can give us the new birth. C'est toi le Seigneur it's Jésus-Christ. Only you, Jesus Christ. Envoie cela, Père. Send us, Father, et que chaque cœur every heart soit changé. Be changed. C'est toi qui as dit par le prophète. You said through a prophet, dans la vision. In the vision. Tu lui as dit, you told them, va dire à ton peuple, go tell your people, dites-leur, tell them, que leurs pensées, that they thought, font beaucoup de mal ici au ciel, is reaching the heaven. Oh Jésus, oh Jesus, si tu n'envoies pas le Saint-Esprit, if you don't send the Holy Ghost, nous serons des païens et des païens toujours. We'll be like pagan. À quoi cela nous servirait-il? What good will de dire que nous sommes croyants? To say that we're Christian. Et que notre vie ne soit pas changée. But our life is not changed. Please, Père. Please, Father. Laisse que par ta grâce. Let by your grace. Par ton bon vouloir. By your good will. Tu changes chaque cœur. Change every heart. Tu circoncises chaque cœur. Circumcise every heart. Et nous savons que tu es ici. We know that you're here. Car quand on parle de toi, tu apparais toujours. But because when we talk about c'est you, pourquoi you always au appear. Nom de Jésus-Christ, that is why in the name of Jesus, que chaque maladie let every sickness soit guérie. Be healed. Au nom de Jésus-Christ, in Jesus' name, que chaque problème trouve la let solution. Every problem find solution. Que les diables let the devil lâchent prise.
release dans toutes ses formes in all au forms. Nom de Jésus-Christ. In Jesus Christ, nous proclamons la victoire proclaim victory sur le péché. Over sins. Nous proclamons la victoire proclaim victory sur les mauvaises pensées. Over nous proclamons la victoire victory sur la jalousie, over jealousy, sur la haine, over hatred, sur la colère. Over au anger. Nom de Jésus-Christ, Jesus Christ's name. Satan sort. Satan amen. Bien-aimé Père, beloved Father, délivre ton peuple. Deliver your people. Délivre-moi. Deliver me. Délivre mon frère. Deliver my brother. Délivre notre pasteur. Deliver our pastor. Délivre l'église. Deliver the church. Délivre tout le monde. Deliver everybody. Au nom de Jésus-Christ. In Jesus Christ's name. Tu sais que nous t'aimons. You know that we love you. Merci Jésus. Thank you Jesus. Merci pour la parole. Thank you for your word. Ouais le pasteur. And now the pastor. Bénis-le davantage. Bless him more. Et bénis tous qui soutiennent la cause. And bless that those pendant que nous rentrons, Seigneur, while we're going back home, puissions-nous expérimenter, let us experience que réellement really, quelque chose s'est passé. Something has happened. Et que nous puissions dire, let us say, dès ce jour-là, from that day, la circoncision est entrée. The circumcision came in. Accorde-le notre Père. Bring it, Father. Tout ce que nous n'avons pas pu demander. Everything that we did not ask. Tu connais mieux que nous-mêmes. You know us more toi, than ourselves. Toi, l'avocat. You the permet que ces séries, let us this series, tu accomplisses le but pour lequel tu l'as inspiré. Fulfill the reason why you alors que nous te confions tous les ressentiments. As we commit everything into your hands. Au nom du Seigneur Jésus Christ. In Jesus Christ's name. Amen. Amen. Change my heart. I am the clay.
This is what I pray.